Bon, on débarque, il y a un bon soleil, rappelle les souvenirs. Il est où le Donat ? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le claquet de chaussettes. Regardez-moi, c'est Donatien. Donatien de Montazac. Bien sûr. En gros, il y a Donat, il m'a dit quoi déjà ? Donat, il m'a dit, tu sors de l'aéroport. Donat, il m'a dit, il y a des escaliers à gauche. Alors, normalement, j'étais censé aller piquer mon associé Fabien Torres. À l'aéroport. On s'est donné rendez-vous, normalement. Plus ou moins. À cet endroit-là, quoi, bien sûr. Parce qu'en plus, il débarque dans la ville, il connaît rien du tout. Vous... salut, ça... sympa, la coupe de cheveux. Je te remercie. Je viens d'arriver, je connais pas du tout la ville, rien du tout. Faudrait que j'aille même chez le coiffeur, je crois. Mais je te remercie. Tu habites là ? Non, moi non plus, je suis plutôt nouveau, je viens de débarquer, mais... Je viens de la campagne aussi, mais j'ai essayé de me... Ouais, tu vois, de m'habiller, de faire genre je venais d'ici. J'essaie de fit correctement. Ok. Et pourquoi tu as dit que je venais de la campagne ? Je suis pas nécessairement le campagnard, ouais. Bon, le seul défaut de mon associé, c'est que, c'est un sudiste, quoi. On peut pas être parfait, bien sûr. Mais non, je viens pas d'ici du tout, je suis complètement perdu, je suis complètement paumé. Moi, j'ai juste rendez-vous avec un collègue que j'ai rencontré sur LinkedIn. Et il m'a dit juste, il y a un escalier sorti à l'aéroport gauche. Tu vois, genre, je me suis dit, tu vois, peut-être là-bas. Tu vois, je me suis dit là-bas, il y a un escalier, tu vois ce que je veux dire. Pourrais-je retrouver mon associé à un moment, peut-être ? Qui lui derrière ? Oh, Donat ! Ah ! Donat ? Ah, Fabien, c'est ça ? Fab, c'est moi, Minou. Oh, le chapeau qu'il a ! Oh là là, c'est ça de s'associer avec un sudiste, quoi. Attends, juste, j'ai rencontré Minou tout à l'heure. Minou ? Ouais. Ouais, excuse-moi, bah du coup, moi, je vais bouger avec Donat parce que... C'est lui le gars que t'as rencontré sur LinkedIn, là ? Bien sûr. Vous n'avez jamais entendu parler de Donatien de Montazac ? Personnellement, je suis pas encore sur LinkedIn, mais je m'intéresse de plus en plus. Moi, je traîne sur Vinted. Mais pas besoin d'être sur LinkedIn pour connaître Donatien de Montazac, enfin. Mais attendez... Vous n'avez pas acheté le Forbes du mois dernier ? Donat, j'ai jamais parler de toi ailleurs que sur LinkedIn, frérot. Excusez-moi, mais vous n'avez pas acheté le Forbes du mois dernier, j'ai l'impression. Le top 100 fortune. Top 100 fortune, vas-y. J'ai mal aux jambes, c'est bon. C'est vrai que votre tenue montre que vous êtes un sacré personnage. Écoutez, c'est à ça que ressemble un être humain ultime. Chapeau haute forme, veste rouge, pourpre, chemise jaune, ne pas rentrer dans le pantalon, bas de pyjama avec des petits sapins dessus et le claquet de chaussettes. Get le évidemment. Flow, frère. Get le flow. Ouais, le flow est pas mal, mais du coup, vous associez avec cet énergumène. Avec lui, tout à fait. Il est un peu moins bien sapé. Tout à fait. C'est un véritable crasse-pouille. Nous allons absolument le... Absolument, ouais. On y va. De toute façon, nous allions prendre ce taxi. Et vous laissez... N'hésitez pas, si vous avez besoin, évidemment, de vin, à nous rendre visite à notre exploitation vinicole, bien sûr. Mais vite, faut y aller. On est déjà attendu au commissariat, capitaine. Putain. Capitaine, dépêchez-vous. Merde. Je crois qu'on est au cirque. Ben, je sais pas. Ah, oui, bonsoir. Ah non, ouais, on n'a pas soif, on voulait juste voir la police. Donc, oui, tout à fait. Merci, monsieur. Non, mais je suis capitaine du LSPD. Oh putain, ah, c'est l'uniforme du capitaine ? Ah oui, bien sûr. Ah ben. Bonsoir, monsieur le capitaine. Excusez-moi. Ah, y a pas de soucis, hein. Ne t'inquiétez pas. On a été rapide parce que je venais de me réveiller, donc j'étais en peignoir et le lieutenant ne m'a pas laissé m'habiller, donc je préférais vous avertir. C'est moi qui viens de se réveiller, en fait. Oui, je suis lieutenant Cuc. Enchanté. Enchanté, monsieur. Je vous ai jamais croisé, pourtant. Capitaine Boyd. Boyd, ok. Bah, Yamdon, enchanté. 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 C'est mon pote Pepperoni. Enchanté, monsieur Pepperoni.
Et pourquoi t'as dormi tout Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans les voitures? Oh merde, j'ai pas vu. Mais on est devant le commissariat. On fout déjà des dingueries. Non, non, mais t'inquiète, c'est bon, je tiens. Quand je t'inquiète, on est devant le commissariat. J'ai fait la connaissance du capitaine Billy Boy et du lieutenant Cuck hier. Tiens, Cuck, très bien. Ils sont très sympathiques. Tu m'as dit que t'avais vu l'entrée du travail? Ah oui, là, là, là. Mais comment ça, là? On est complètement con, est-ce qu'on est con à ce point-là? Ah non mais c'est n'importe quoi aussi! Ah, regardez ces conneries, non mais si la tête ressemble au cul, comment on est censé savoir? Ils ont un chien qui s'appelle le Yinche. D'accord, le Yinche. Mais... Wow, ok, c'est lui. Okay, c'est très lui bien. Très bien. Quitte. Ok, sors de là. Sors de là. Mais tu as vu que c'est... Sors de là tout de suite, c'est ton grand frère qui te l'ordonne. Mais cette personne a voulu se suicider. Je conduis. Je conduis, tu me dis où c'est qu'on va. C'est moi l'as du volant ici. Bernard. Bernard. On fait pas de constat avec une personne décédée, hein. La personne est décédée? Je ne sais pas, je crois qu'elle n'est plus... Elle n'est plus vivace. Ah bien, super. Ça commence bien. On a déjà assassiné quelqu'un. Ok. C'est Roger, la réception. Ouais, t'es sûr que tu veux... Ouais, non. Oui, non, mais on y va. Fais bien ta victime, hein. Ah oui, c'est... Oui. Ah oh, putain, c'est ça, c'est le rêve américain, hein. Alors... Ah, mais c'est le coffre de l'entreprise. Bon, minutes, où est-ce qu'on va? Alors, on va aller passer le permis de tuer. Le permis quoi d'armes, pardon. Comment non, ça non, non, pourquoi ça, un permis d'armes? Mais ça te suffit pas? Tu viens de tuer une personne avec ton camion. Mais attends, il y a des trousses de premier secours, c'est bon, je vais me requinquer. Moi, je m'en prends une bonne dizaine, hein. Personne a l'air de surveiller, hein. Moi, je veux pas toucher d'armes, moi. Ça m'intéresse pas. Dis-moi, mon GG, là, tu m'as l'air quand même très... Très police. Il t'aurait pas offrir des sucreries pour ta madouée là? Oh, tu vas rigoler, il voulait me recruter. Mais. Pourquoi ils en sont vraiment rendus long? Pourquoi tu rigoles? Parce que. Parce que quoi? Mais t'es pas capable de voir le bout de ton zgeg, alors qu'est-ce que tu vas. Mais comment ça le bout? Mais j'ai une très bonne vision. Mais bien sûr, le bout de ta frite, t'as fait longtemps que tu l'as pas vu, moi je te le dis. Mais qu'est-ce que tu. Tu vas te prendre un coup de canne, toi, si tu continues de me parler comme ça! Vraiment, hein? T'sais, respecte un petit peu ton ancien. Alors toi, tu sais quoi? Tu sais bien que ta force là est quand même. Ouais, ouais, hein. Bah tu parles mieux que ça à ton aîné, d'accord? Putain, il m'a fait tomber mes lunettes à la tête, franchement, je te jure. Alors. Par contre, patron, il me permet, hein. Ouais. On est que dos. C'est compliqué pour une gang d'être dos. Ok, je crois que ça va mieux, mec. Attends, regarde comme je suis pimpant, regarde. Regarde comme je suis pimpant. Voilà. T'as vu ça? Alors. Alors on a peur de Johnny maintenant? J'ai travaillé ma technique de recrutement sur internet. Oh là. T'as regardé des tutos? J'ai regardé des tutos YouTube. Oh là. Des tutos YouTube. Il te montre comment on fait. Oh là, seigneur. Ça te tenterait de travailler pour un groupe international du quartier? Hydro des putains. Le problème est là, c'est que moi il veut te recruter, toi tout veut me niquer. Et... Oh pardon patron, il est trompé le cible. Attends patron, ne t'inquiète pas, il maîtrise la situation. Monseigneur, je vous invite au recrutement dans une entreprise familiale qui est... Putain, tu m'écoutes. Bon, là c'est carrément un échec. Oh. Bah écoute, patron, t'es ça vient... T'es censé faire des trucs là. Bah, hein? Là c'est mieux. Là, c'est mieux. Il y a un problème, hein. Ça vient d'où l'arme de Caritas? F. Par contre, Roy, tu as pris le numéro ou pas? Oui, j'ai pris le numéro de Roy, bien sûr. Ok. Parce qu'un vrai Roy, à mon avis, a moins de l'intuber, parce qu'il m'avait l'air un peu dupé, hein, sur pas mal de points. Attends, oui, il y a moyen. Juste tu coupes, ok. Ouh, ne t'inquiète pas. Tu es contre-sens. Okay. Non, ne t'inquiète pas, vraiment. Okay. Tout est parfaitement sous contrôle. Ne t'inquiète pas, Fab. Ne t'inquiète pas, je sais. Je vais pas te materner non plus, Fab. Tu trouvais que t'avais l'air d'un con avec ta chemise? Attends de voir ça.
Johnny. Ouais. Il fait noir là. Oui. J'aime pas trop ça. Alors, c'est parti, moi je choisis la quatrième là, cette combi elle m'a l'air incroyable. Tenue 2. Ah j'aime bien ça faire sortir mes muscles. Allez, c'est parti. Ne t'inquiète pas. Pas de soucis. Y'a pas de problème. Arrête-toi. Ah bah dis donc, ça se met bien le PDG. Voilà, tiens. Ok. Ah mais c'est quoi ? Ah c'est parti ! Allez, on prend le dixième. Allez, c'est parti pour la sortie. Ah ah ! Non bah désolé, oui, je connais pas trop les règles ici. Pas besoin de nous traiter, hein. Qu'est-ce qui se passe, hein ? C'est deux monsieur donc pour détective privé, je crois. Ok. Alors, salut, enchanté, je suis Henri Marx et je suis nouveau ici. Pour l'instant, chauffeur de taxi. On a vu un message il y a quelques minutes qui indiquait qu'il était possible de rejoindre les forces de police pour certaines missions. Compétent ou pas compétent. Mm-hmm. Combien que c'est payé? Je sais pas ce qui m'importe le plus, mais. Vous êtes ensemble tous les deux? Oui. Ok, bah venez dans mon bureau. Ah oui. Waouh, dans le bureau, oui. C'est chaud. Hey, arrête de demander combien c'est payé, c'est pas le plus important. Ouais, enfin moi je suis venu ici quand même pour toi, je suis pas venu... C'est pas ça ton business. Pour beurrer des sandwichs quoi, ici, tu vois. Ici on est là pour vivre une aventure et pour aider nos prochains. Ouais, c'est ça. Et aider alors. Nos prochains. Oui, bonjour. Oui. Vous dites-moi. Ouais. Combien que c'est payé? Fabien, tout va bien? Ouais, juste ce taxi, tu l'as trouvé où? Rire de droite. Devant l'aéroport. Mais à la base, il y avait je veux dire, il y a écrit taxi quoi dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant. Mais bon, écoute. Ce n'est pas très grave, mon cher Fabien. Ne t'inquiète pas. Non, c'est pas grave. Donc, on aimerait des informations. Horaire, salaire, jour de congé, responsabilité. Ah. Ok. Bah, tout simplement, dans la police, bon, déjà, on va devoir vous former. Vous serez cadet. Vous serez payé 150$ le quart d'heure. Mais je donne des petits bonus quand je vois que vous attrapez pas mal de gens et je vois combien vous amendez, je vois que vous faites du bon boulot, il y a des extras quoi. D'accord. Par exemple, si vous trouvez un point de drogue, vous trouvez des personnes sur flag ou autre, je vous donnerai un petit bonus à chaque fois. D'accord, oui. Ok. C'était un taxi en libre service, bien sûr. J'ai croisé comment ? Non, juste ça me fait rire, tu parles de libre service, c'est que c'est pas le taxi libre service. Hein. Ah taxi, quoi, du coup. Aïe, putain, la porte. Oh là là, regardez-moi ça. Bonjour. Bonjour à vous. Excusez-moi, messieurs. Oui, dites-moi. Encore Boer. C'est pas ton tour. Ouais, mais je me permets d'entrer. Disons que les infos qu'ils vont vous donner sont les mêmes pour moi, vu que je vais globalement avoir le même plan de carrière. Allez, même, rentrez. Boer, c'est ton quart d'heure, allez, viens. Ok, donc je disais exactement. J'en étais où déjà? Vous étiez en train de 550$ du quart d'heure. Excusez-moi, je pourrais avoir vos noms à vous deux dans l'ordre, s'il vous plaît? Ouais. Hey Fred. Oh ouais. Alors moi c'est Antoine. Oui. Moi c'est Daniel. Ah très bien. Bonjour. Je suis Donatien de Montazac. Oh, et voici mon associé Fabien Torres. Enchanté, c'est Fab. Enchanté. Vous étiez en train de raconter qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez fait une descente descendre un gang et que vous avez perdu pas mal de... Oui, voilà, on a fait une grosse opération, nous avons fait tomber un gang entier, donc il y a eu des morts chez nous, il y a eu des blessés, des gens qui ont pris des vacances, donc ils ont pris des vacances de 2 semaines ou autre. Donc là, pour l'instant, on n'était que 2, il y a 2 nouvelles recrues qui viennent d'arriver, il y en a d'autres qui vont peut-être arriver ou autre. Bon, c'est pas nécessaire ou autre, mais on va devoir vous former, cadet, puis après derrière, vous pouvez monter vite comme monter des... Enfin, être tranquille, il n'y a pas d'horaire, vous venez quand vous voulez. Vous trouvez des gens, il n'y a pas trop de paperasse, vous n'avez qu'à amender les personnes pour ce qu'ils ont fait, et c'est sans prise de tête. C'est ça, allez vas-y rentre. Merci. Allez, on est parti. Hein. Merci pour votre temps et toutes ces informations. Pas de problème, bonne soirée à vous et bonne chance. Au revoir. Au revoir. Oh les vieux, mais je fais doucement. Oh là là, écoute, si on vit trop doucement... J'ai un petit doute là. En vrai, moi ça m'allait d'aller retourner en cours peut-être. Non là là, t'inquiète pas. Changer d'avis sur le sécher les cours, Daniel. Mais excuse-moi, mais vous savez quel âge à l'arrière?
On a 16 ans. Non, on a 21 ans. On a 25 ans chacun. Eh, vas-y, juste montre-moi ta carte d'identité. Montre-moi ta carte d'identité. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois dessus, Fabien ? Mais montre-moi ta carte d'identité. Parce que je devais avoir l'air plus jeune sur... Montre-moi ta carte d'identité. C'était pour les... Et toi, montre-moi ta carte d'identité aussi. Identité maintenant. Ça va pas, je peux pas montrer voilà. Ça. Non mais c'est pas une vraie carte d'identité, celle-là. Date de naissance 2004. Vas-y, casse-toi. Oh là. Non mais c'était... Oh là, vas-y, Fabien, on se casse de là. Non, 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 non. Non, sors de la voiture. Sortez d'ici. Oui. Maintenant les minots. Écoutez-nous bien. Écoutez bien Fabien. Écoutez-moi. Est-ce que vous voyez l'arbre là-bas où on voit encore un petit peu la lumière au fin fond là-bas? Oui, on t'attend. L'arbre. Ouais. Tu vois l'arbre là-bas où il y a un peu de lumière? Ouais. Ok, on est chaud pour vous prendre tous les deux un stage rémunéré un peu plus que les stages habituels, d'accord? Oh, juste avec l'arbre, ouais. Vous allez comprendre très vite. Exactement. On a besoin de gens réactifs et de gens assez... motivés avant tout, bien sûr, et qui ont l'amour du vin, bien sûr. En gros, vous allez courir vers l'arbre. Ok. Si vous arrivez avant qu'on compte jusqu'à 22... C'est bon. Ok. Poussez-vous. Ok. Let's go. Go. Allez, let's go. Let's go. Merde. Merde. Oh putain. Vas-y. Démarre là. Ils ont capté. Je crois qu'ils ont capté. Ils reviennent. Go. Vas-y, je m'attache. Je reste derrière. Attache-toi. C'est bon. Non, en vrai, gros, c'est une galère. Non, c'est impossible, on peut pas faire c'est ça. Impossible, c'est impossible. On est une exploitation respectable. Let's go, j'ai en 22 secondes, c'est sûr. Ils sont partis. Montazac Torres. En vrai, c'est chaud. Par contre, j'espère qu'on va pas. Si, enfin, j'espère qu'on va pas les recroiser ou que ça va, tu vois, parce qu'en vrai. Non, mais peut-être que si on les recroise ici 2 ans, on pourrait les prendre. Oh! Pardon! Merde! Pardon, excuse-moi. Ça m'a un peu décontenancé cette histoire. Daniel! On les suit, Daniel, on les suit! Tout va bien. J'ai du Gerbéo. Tu veux aller gerber? Oh, t'es... Ah, vas-y, c'est bon, je te dis si jamais. Vol! Vole la voiture! Viens! On va leur montrer! Putain, mais. On va leur montrer! Ils avaient pas à défoncer Daniel! Daniel Kroot! Jamais entendu de Daniel Kroot! Hein. Attends, je vais le trouver! Mais attention! Comme tu sais, j'ai pas le permis donc. Inculé, dis-moi hein, si tu veux que je... Non, t'inquiète, je maîtrise la situation à 100%. Gros, j'ai vu l'ensemble de ma vie défiler, oh bonne mère. Ils sont où? Mais on les a perdus, je crois. Mais ramène-moi à l'hôpital. Ok. Mais au secours. Parfait, on est dans la bonne direction, let's go. Je vais mourir. Ça va, je t'amène à l'hôpital. Bon, maintenant, à partir de maintenant, Daniel, on ne dit plus notre âge. Arrêtez-vous, LSPDIM. Ouais, quoi? Ah ouais, tu mets les doigts? Fais ça! Te mêle pas de ça, toi! Tu mets les doigts? Et qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est bon. Tu connais Papa Johnny? Attends, on s'en va, c'est des dégénérés, on s'en va, vite. On fait notre boulot, nous, allez, vite. Ok. Une poubelle, là. Un petit café, est-ce qu'on se prendrait pas un petit café? Non, donne-moi une clé. Ah, j'entends des sirènes de flics, ça me dirait qu'il veille. Ah, bah oui. C'est pas moi! Je suis innocent, c'est lui! Il m'a forcé! J'ai rien fait! Donne-moi les clés, je veux juste travailler, moi! Laissez-moi, j'ai rien fait! Mais t'as pris
quoi? Il m'a kidnappé. J'étais avec mes petits enfants. Alors c'est bon, ils sont partis, ils sont partis. Ok. Ok, non, ok, on se calme, on se calme. J'ai rien dans les mains, ça tombe bien. Donnez-moi ce que vous avez dans le dos là. Pas trop tard, hein, c'est Jacques a dit. Ah non, donnez-moi ce que vous avez dans le dos. Vous êtes monsieur? À ton avis? On connaît pas. Ah non, je ne vous connais pas. Je ne connais pas. Non, non, alors n'avancez pas, calmez-vous, calmez-vous. Doucement, doucement, doucement. Regarde, est-ce que tu m'as déjà vu faire. Regarde, regarde notre exploitation sur la gauche. C'est chez nous. Ah ouais, c'est. C'est avec ton argent que t'as acheté tout ça? Bien sûr, l'argent des Montazac. Ah ouais! Bah okay, oui! Mais ça correspond, mais en vrai, c'est encore plus grand que les photos que tu m'as envoyées sur YouTube. Bien sûr! Quoi. Donnez-moi rapidement ce que vous avez là dans le dos. Capitaine, vous me recevez? Ne me pointez pas dessus. Mais regarde notre exploitation! N'en es-tu pas fier? Ça va, c'est un peu vieillot en vrai, mais par contre, c'est immense, c'est stylé, hein, c'est propre. Ah, c'est vraiment bien! On se régale! Je vous amendez pour l'arme, je vous laisse partir, mais faites pas trop de conneries en ville, s'il vous plaît. Ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Enguerrand de Montazac. Bon, merci. Vous êtes monsieur? Donc c'est Logan, hein? Ah voilà, t'as compris. Oui. Allez, bonne soirée à vous et faites attention. Ouais, salut. Faudra faire attention, effectivement, les étudiants, là, ils ont l'adresse ici, hein. Non, t'es pas sérieux? Bah, évidemment que si! Mais on a été stupides, on leur a pas demandé leur âge. T'as vraiment donné ton adresse ici? Oui. Tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû les descendre. Non, mais gros, mais... Non, certainement pas. Par contre, c'est la pire idée du monde d'avoir donné leur adresse. Plus jamais tu fais ça, gros. Alors, je veux bien qu'en affaire, tu sois beaucoup plus chaud que moi. Par contre, là... Ok, Fab. Ok. Excuse-moi. Y'a aucun problème. Visitons le reste, si tu le veux bien. Vous avez été super réactif, hein. Vous avez pas besoin de stagiaire, par hasard? Ah, vous avez pas besoin de stagiaire? Ah si, on recrute. En fait, on a besoin de stage pour notre fin d'études et on cherche un peu à droite à gauche. Regarde-moi cette exploitation. On va se mettre putain de bien! Ah là là. La chaleur sudiste, hein, bien sûr. Évidemment. Mais ils ont payé des fonds. Je crois que... Si vous voulez faire un stage... Oui, on veut surtout conduire l'ambulance. C'est dangereux. C'est dangereux? Ah ouais? Il y a du sang, il y a les morts. Ah oui, mais moi ça me branche, hein. Ouais, moi aussi ça me branche, ouais, moi aussi. Et il y a les voitures rouges à conduire très vite. Moi aussi ça me branche, moi aussi ça me branche. Oh, oh. Que je débarque, ah, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? What the... Oh con. Oh là là. Tu sais qu'ils sont dangereux, hein? Non, t'inquiète pas, j'ai un très très bon contact avec les animaux. Attends. Non mais ne t'inquiète pas, regarde. Ça pourrait être notre nouvelle mascotte. Une mascotte? Ah ouais? Tu veux pas remplacer Fabien? Mais non, regarde, mais n'aie pas peur. Dans les Montazac, on n'a pas de chat domestique, on a des sangliers domestiques chez les Montazac. T'as des sangliers domestiques? Eh oui. Vous avez donc les blocs opératoires. D'accord. Vous avez 4. Ouais, c'est super. Oui. Là-bas, vous avez le laboratoire. Il pourrait être sur notre logo. Attends, c'est quoi cette merde, là? Ça pourrait être Montazac Torres avec le logo du sanglier en dessous. Donc là-bas, vous avez la salle psychiatrique, tout au fond à gauche. Vous avez avant, la première à gauche, vous avez les water closets. Et là, vous avez une les WC. Et là, vous avez... Bien sûr, oui, pardon. Bien sûr. Et là, vous avez évidemment une salle de consultation, une deuxième salle, et au fond là-bas, une troisième salle de consultation. Ah, je vais au WC. Allez ouvrir la closette. Et ensuite, avec votre frère Kroot. Cousin donc... C'est où? Oui. Je cherchais les toilettes. Ah, ben c'est pas ici. Vous êtes qui? Le psychiatre. Les toilettes, visiblement, ce n'est pas ici, à moins que vous comptiez pisser sous mon bureau. Mais... Non, mais j'ai juste une question, parce que moi, je suis un peu apprenti psychiatre. Ah oui, on dirait pas. Vous m'apprenez à faire les électrochocs, vous faites? Ah, c'est... on garde ça pour la dernière solution, en général, c'est seulement au bout de la troisième séance. Ouais, mais en fait, je suis en stage, et, oui. Et de paramédic. J'avais remarqué que vous étiez en stage, oui. Merci, oui, ouais, bah, je suis plutôt content, j'ai trouvé très rapidement
Voilà, alors du coup, moi c'est Antoine, il y a mon cousin Daniel là-bas, et excellent. On aimerait bien essayer les électrochocs. Du coup, est-ce que, comme ça, je vous donne mon numéro, et la prochaine fois que vous devez en faire, vous nous dites, puis comme ça on apprend. Écoutez, oui, bon, alors j'étais pas, pendant quelques secondes, j'ai songé à vous donner un faux numéro, mais je vais quand même le prendre votre numéro au cas où ça peut servir. De toute façon, vous travaillez ici, donc je ne vois pas pourquoi. Bah oui, je travaille ici. Pas ça. Allez, vous avez de quoi noter ? Oui. Pas du tout. Oh, mon capitaine, arrêtez-vous voir. Regardez la pancarte publicitaire en haut à droite. Ah ouais ? C'est quoi, c'est ? C'est un jeu, Mario Kart 9. Ouais. On va être mieux là, ouais, c'est pas mal. Je pourrais vous appeler Docteur Maboule, ce serait rigolo. Docteur, oui, ça serait une excellente blague, mais je vais vous donner mon vrai nom parce d'accord. que, je suis vraiment en train de crever de rire actuellement. Oui. Ça sera le Docteur Cox, C-O-X. I want you en Bretagne. Ah ouais, la Bretagne, ah ouais, pas mal, la crêpe bretonne. Ah ouais. Ça sent tout ça là. Ouais, je vous appelle, je vous fais un appel manqué, ça marche ou pas ? Allez-y. J'ai bien, oui, j'ai votre numéro, parfait. Parfait. Le 555-91-08. Allez, je note ça au nom de stagiaire étrange. Bah c'est Antoine. C'est Antoine Croûte. Antoine, voilà, Antoine le stagiaire. Et vous pourriez rajouter mon cousin, Daniel Croûte. On est très motivés. Daniel Croûte, le cousin bizarre du mec bizarre. Le pouvoir des fleurs à gauche, là. Où ça, j'ai pas vu. À gauche là, vous voyez. Ah oui. Pour nous. Oui, oui. C'est un cul de mouton qu'on voit là ou. Comment ? C'est un cul de mouton à côté du visage de la femme ? Un cul de mouton. Ah oui ? Un cul de mouton. Ah oui, on dirait un cul de mouton. Ah, c'est quoi sinon ? Ouais, c'est un cul de mouton. Ouais, ok. Ah oui ? Docteur Maison. Cher ami. Ouais. Excusez-moi, oui. Je vois que vous êtes un peu tendu, cher ami. Non, pas du tout, j'ai l'air tendu. Vous voulez que je vous montre ce que t'as entendu ? Hein ? Excusez-moi. Non. Excusez-moi, je vais partir en intervention, j'ai besoin de rouler sur des gens. J'ai besoin de soigner des gens en intervention, en roulant à côté. Oui, à côté, hein, cher ami, à côté. Oui, bien sûr. Bien sûr, cher ami, bien sûr. Allez respirer un coup, d'accord ? Ouais, je vais aller prendre l'air. Bien sûr, cher ami, bien sûr. Je vais prendre l'air. Je vais aller prendre l'air et je vais lui tordre le cou à l'air, tu vas voir. Putain. Regardez-moi ça, tous ces clowns là. Hôpital public de merde. Y a aucun moyen. Vous savez, moi ce qui m'énerve, c'est que je fais passer des tests de PPA aux gens. On m'envoie des gens comme ça pour faire des tests psychologiques. On m'envoie des gens. Et puis ça sert à rien. On me demande mon avis. Dites donc, Docteur Cox, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur ? Hein ? Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur ? Vous pensez qu'il est digne de passer un test de PPA ? Eh ben non, le Docteur Cox, il dit. Ben non, il est pas digne. Et pourtant, après, tu le croises dans la police. Et pourtant, je après, tu... Je te rappelle de tout, je t'explique tout. Putain. Tout. Mais je sais pas... Et qu'est-ce que je fous là, moi ? Oh, c'est pas un parking ici ! Bougez-vous de là ! C'est toi qui m'as dit d'accepter les 50 000 balles. Eh ! Oh ! C'est pas un parking ici, hein, va falloir bouger ! Mais Hitman, il veut quoi Hitman là ? C'est pas possible ! Très bien, merci Docteur Maison. Ouais, je vous en prie, cher ami. Merci, au revoir. Bruti, crétin. Ok. Regardez-moi ça, ça traite des criminels plutôt que de les jeter dans un fleuve. C'est ça que je vais aller faire. Je vais sortir dehors, je vais prendre l'ambulance. On va aller chercher les... On va aller chercher les gens blessés, mais ensuite on fera le tri. Qu'est-ce que c'est que ce mec devant là ? Qu'est-ce que c'est que ce... Eh vous là ! Oh ! Oh ! Monsieur ! Monsieur ! Oh, vous croyez où ? Putain. On va faire le tri. Parce que la police s'en occupe pas. Vous avez déjà vu la police de Los Santos ? I will always love you. Je vais faire ça, je vais envoyer un message. Vous croyez que ça marche ? Ah ouais, faites-le aussi, hein. Ah, j'envoie un message tout de suite, mon capitaine. Hors contact, 555 China. Impeccable. Je fais ça pour sauver des vies, hein, ce métier. Je fais ça pour sauver des vies, mais des fois, bon... Si on peut sauver la vie de quelqu'un et lui enlever un genou... Il faut un fusil à pompe. Ah, ça, c'est pas mal, ça.
Voilà. Super. Hey ouais, ça va. Ça va, on déconne. Eh, ça va, on déconne, les gars. Eh, Fabien, là, allez. On est chez Yann. Non, là, c'est chez... On est au vignoble. Non, mais c'est chez Yann, y'a. Mais non, c'est pas chez les gens, c'est vignoble. On n'appelons comme ça. Je suis désolé, on n'appelons de merde comme ça, c'est chez Yann. Regarde, un tableau des moutons, des chevaux, ah, c'est un cheval. C'est le fameux cheval blanc, non? Si? C'est un mouton, c'est un cheval. Si, c'est un cheval blanc, non? C'est le fameux cheval blanc. Imagine, il pense que c'est quelqu'un qui aime les chevaux. Là-bas, son grand-père, le chevaux numéro 2, c'est Terre de Sienne. Le chevaux que ça a acquis, c'est pas du tout. Il y a cours-moi après, attrape-moi si tu peux. Attends, pas fini, regarde, il continue. Là, une danseuse. Y a pas de problème. Ça va mieux, monsieur. Attends, je bois les jus là. C'est pas le truc le plus fun, mais bon, je gère. Non, on a encore on a pas mal de jus de raisin. Je pense qu'on sera bon. Je check. Si, eh, Magnana, il serait pas là. Hein. Magnana. Il y en a un. Il dit c'est qui MDR. Là, c'est en gros, moi, là, je risque un peu tout. Hein. C'est que je parle, je c'est qui, MDR? Mais tu parles à qui? J'ai envoyé un message au vignoble. Si. Et il me dit, bien sourd, machin. Je dis, il y a quelqu'un qui bosse. Il me dit, oui. Il me dit, vous êtes, c'est qui, MDR? Je dis, un client, oui, mais qui? Qu'est-ce que je réponds? Bah, il fait le service communication. Sais. Ah, ça y est, tu vas le trouver. Allez, on va encore tuer quelqu'un. Le problème, c'est que les gens, ils restent pas en vie. C'est pas pratique. J'ai marqué, c'est Didier Durand. Didier Durand? C'est qui, ça? Un nom commun. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un Didier Durand? Didier Durand? Non, ça me dit rien. Tu veux dire qu'on voudrait utiliser les camions et qu'on paye? C'est ça? Ouais. Il donne un chauffeur? En gros, un sanglier! Il est tellement mieux de chasser. Je lui mets le traquenard. Attends, je lui mets le traquenard. Oh, il revient. Il y a un sanglier. Non. Si. Attends. Il fait le saucisson. Non, mais pas avec ça, le saucisson. Si. Non. Il revient. Voilà, mieux. Piggy. Il est pas tatoué. Allez, file. Je vais te laisser en vie. Allez, fuis. Va manger des glands. Va manger des glands. Mais pour le moment, non. Mais si j'entends ce nom-là, écoutez, je vous en fais part. Hein. Ok, très bien. Je vais aller retrouver mon collègue ici, là-bas. Merci beaucoup. Et prévenez-moi pour la soirée, bien sûr. Hein. Oui, y a pas de soucis. Allez, à toutes, là. Oh, merde. Attends. Fab! Doucement. Je passe des calls. Mais attends, j'ai eu un message bizarre. Attends, je t'explique. Doucement, attends, une seconde s'il te plaît. Parle pas trop fort. Ok. Il me sentait pas bien, il est pas tué. Il est pas osé. Il me suis dit, Miguel, si tu tues ce sanglier, qu'est-ce qui va se passer? Attends, il m'appelle. Oui. Didier Durand, bonjour. Eh, tu fais du stand-up, Fabien? Donna, ferme ta gueule. Je suis au téléphone, Donna. Donna. Bien sûr, 40 bouteilles de vin, oui, tout à fait. Il vous les faudrait pour quand et pour où, les 40? Ah mais attends, mais c'est Didier Durand. Ah mais vous êtes directement au domaine? Ok, écoutez-moi, on prend dessus le camion. On est là dans 3 minutes. Fab! On se dépêche. Excusez-moi, monsieur Durand. Mon petit! Je suis désolé. Fab! Donna! Il faut tracer au domaine, on a. Mais attends, écoute-moi, juste avant qu'on y aille. Ouais. Écoute-moi, j'y vais très vite. Mais j'ai reçu un message d'un inconnu. Est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'était Didier Durand que t'as eu au téléphone? Oui, c'est Didier, allez. Ah, il veut 40 bouteilles. Mais attends, tu trouves pas que Didier Durand, ça fait un peu faux nom? Ah, tu veux pas attendre dehors? Non, j'attends là, moi, je suis au chaud. Hein. Si?
Bah, il fait encore le boulot de nous mettre au dos, hein. C'est ça ? Il est dehors, il attend, il dit le patron est dedans. Ouais. Moi je dis c'est un piège, cette histoire de Didier Durand là. Un piège de quoi ? Bah je sais pas, il va peut-être nous faire vider le frigo ou le camion. Bonjour, mon patron, vous y attendez à votre queen. Il avait paniqué, il avait raconté quoi de merde. Oui, foyer 10, bonjour, mon patron, vous y attend dans votre cuisine. C'est ça. C'est ça, ok. Il répète, hein, parce que... Moi, je suis souvent dans l'instant quand tu dis tout, et là, il est tout. Mais là, ouais, non, mais là, il discute pas, là, moi. On a besoin d'eux. Je vais dialoguer. Je vais dialoguer, tout. T'inquiète. Tu vas tout doux. Non, c'est pas tout, non. Tout, là, pas tout. Toi, oui. Tout Yanti. Si toi... Yanti. Toi Yanti, toi Binette, sinon toi, Yves, tu fais « Ferme ta gueule !» Il a pris problème. Si, si tu vois qu'il court, à l'extérieur... Il est tout Non, tu le menaces et tu t'as des zip-ties ou pas? Mais il n'y a pas... Non. Non, d'accord, bon, au pire, je vais le zip-tie moi, t'inquiète. Si. D'accord. Et tu viendras si tu vois que ça tourne mal et que je le zip-tie, tu viens. Ouais. Parce que honnêtement, je vais pas te mentir que là, je sais pas qui on a affaire, c'est un nouveau client. Non, mais il est bizarre, il voulait pas. Je vais te lire l'échange de SMS que j'ai eu avec lui. Attends. Oui, non, mais il m'a dit au téléphone, j'ai un peu honte, hein. Tu lui as dit MDR. Oh là là, je viens de revoir mes messages. Oh là là, oh j'étais. Oh là là. Eh oui. Oh non. Il m'a tout dit au téléphone, il m'a dit. Oh non. Ouais, il m'a dit qu'il était un peu. Oh, je viens de voir les messages que j'ai envoyés. En plus, j'ai fait. Oh là là. C'est pas grave, Donna, ça va. Il m'a dit ça bosse, je lui ai fait bien sûr. Enculé, il me dit on est chez vous, vous êtes dispo. Oh, je lui ai dit c'est qui MDR? Excusez-moi. Il me dit un client. Bon, ça c'est bizarre. Je lui dis oui, mais qui? Il me fait Didier Durand. Je lui dis bon, que souhaitez-vous, Didier Durand? Il me dit des bouteilles de vin. Je lui dis combien? C'est 200 unités. Il me répond 40. Je lui dis c'est quand même un peu cryptique comme message, hein. Eh, c'est-à-dire que c'est formel, quoi. Après, c'est le boulot. Bah, c'est le taf, mais... Mais bon... Et tu veux qu'ils te disent quoi, genre... Non, mais t'as raison. Attends, je vais boire un jus d'orange et là, ça sera passé, je pense. Ça va te faire du bien, c'est une certitude. Voilà, c'est on bon. Ça y est, je suis complètement net. Ah, mon petit Fabien. Prêt à faire affaire. Toujours bouillant. Et crois-moi que si c'est un guet-apens, on arrivera à les retourner pour qu'ils travaillent pour nous. C'est une certitude. Si ouais, vas-y. Oh, ils viennent en trottinette. Comment ça, ils viennent en trottinette? Mais c'est pas, il y a personne. Bah, il a dit, il vient dans le camion, il est là dans 3 minutes, on attend. Si. Voilà. D'accord, il me remet en faction. Ouais, remets-toi en faction. Là, on arrive. J'espère que Didier Durand est quelqu'un de confiance. Et qu'il n'a fait aucun mal à nos sangliers. Oh, je pense qu'il est là, c'est sa bagnole qu'elle a. Attention au sanglier! Je l'ai vu, t'inquiète pas. Il y en a un autre à gauche! Ah, mais là il me bloque, gros. Non, yo! Décale! Non, mais. Mais gros, mais il Attends, voilà! Oh non! Il tient pas à sa vie! Mais. Bon, vas-y, écoute, on en a d'autres. Aïe, ça me tape le cœur. Ah, mais il va bien. Ah oui! Mais t'as le numéro de Monsieur Durand? Parce que moi je l'ai pas en fait. Hein. Je vais le rappeler. Mais il est juste devant chez nous, regarde. T'es sûr c'est lui? Ah, je sais pas si c'est lui, mais il y a quelqu'un quoi. Ah non, il est là! Monsieur Durand? Bonjour! Non, monsieur. Mon patron, il vous y attend dans votre cuisine! Hein? Mon patron, il vous y attend dans votre cuisine! C'est Monsieur Durand le patron? Si, il vous y attend dans la cuisine! Ouais, Monsieur Durand! Bon, allez, allons voir. Attends, j'arrive. Fabien, faut que tu viennes. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de sangliers, il y a où? Ah oui, il y en a énormément. Bon, je vais récupérer les bouteilles de vin pour votre patron. Si, seigneur. Tu fais des bons trucs, quoi. Allez, on y va, les filles. Ouais, on prend, capitaine, on y va. On a mis les gyrophares. Ok, je vous rejoins.
Monsieur Durand ? Monsieur Durand ? Reste là. Monsieur Durand ? Recule. Bah attends, excusez-moi, monsieur Durand, je suis chez moi. Recule. Non, monsieur Durand, je suis chez moi à l'heure actuelle. Vous êtes sur la plantation vignoble de Donatien de Montazac. Recule, je te dis. Bon, écoutez, je veux bien reculer un petit peu, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir, monsieur, hein. Stop. Oui ? Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Oui, alors je ne suis pas votre petit bonhomme, hein. Comment tu t'appelles ? Donatien de Montazac, ne dites pas que ce nom vous est étranger tout de même. J'avais entendu parler. Et vous, vous êtes qui, monsieur Durand ? T'as pas besoin de le savoir. Alors vous serez monsieur Dugland pour moi. Tu sais qui je suis ou pas ? Monsieur Dugland, je viens de le dire. C'est ce que c'est, ça ? Oui, c'est un flingue, bien sûr. C'est pas un flingue. Ah non, c'est un explosif. Vous voulez faire exploser mon exploitation ? Tu tiens ta vie, tu tiens tes camions ? Bien évidemment que j'y tiens ! Ferme ta gueule. Bah alors, me pose pas de questions si tu veux que je ferme ma gueule, espèce de connard ! Laisse-moi parler, ferme ta gueule. Bonsoir. Bonsoir, voici mon collègue, Fabien Torres. Enchanté. Fabien Torres. Fab, appelle-moi Fab. Ah, c'est Fab. C'est quoi ? Vos camions. Oui, vos... mes camions, qu'est-ce qu'ils ont, mes camions ? Il y a du pognon à vous faire. Du pognon à nous faire ? Nous, on est toujours prêts pour faire du pognon. On est là pour ça. Vendre deux cargaisons. Vendre deux cargaisons ? De cargaison de quoi ? De vin ? Ici, nous vendons du vin et du champagne. Nous sommes une exploitation respectable. Écoutez, monsieur, il va falloir que vous me parliez sur un autre ton, s'il vous plaît. Hein. Vous êtes chez moi, ici. Vous n'êtes pas chez vous. Est-ce que vous avez acheté ce vignoble ? Je ne pense pas. Aïe ! J'ai dit fermez ta gueule. Ah, il y a mis un coup de couteau. Tu vas m'écouter. Je vais appeler où, médecin ? Monsieur, regarde-moi. Percute, regarde. Percute, souffle un coup. Souffle un coup, ton collègue, il a à peu près 6 minutes de vie. Tu souffles, tu regardes. Tu regardes, c'est bon, tu souffles. J'ai quelque chose qui m'a. Maintenant, t'écoutes le réveil. J'ai besoin de transporter des choses. Pourquoi tu tues quelqu'un pour transporter du monde ? Il est juste blessé, ton pote, t'inquiète, on va appeler Etoubib. Oui, mais pourquoi ? Je l'ai pas tué, ton pote. Je comprends pas du tout. Parce qu'il m'a manqué de respect, personne ne manque de respect. Il t'a pas manqué de respect, il t'a juste répondu. Non. T'en veux un autre aussi ? Bah, si tu veux, mais comme tu dis, je vais aller à l'hôpital et ça ira mieux. Tu as l'air un petit peu sur les nerfs, non ? Tu m'as l'air un peu stressé, non ? Je suis boss des Vagos. Donc arrive un moment, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. J'ai besoin de tes deux camions. Ah, tu m'as l'air un peu... Attends, juste. Tu m'as l'air un peu sur les nerfs, mec. Je comprends pas trop pourquoi tu t'énerves comme ça, tu sors un couteau. Étant donné que de toute façon, comme tu le dis toi-même, on sortira de l'hôpital. Ils m'ont saoulé. Ils m'ont cassé les couilles. Rêvez, voilà, pas les doués. Mais comment dans le camion, c'est doué tout ? Recule, recule. Recule. Mais non, pas encore. Sous merde. Mais non, mais c'est pas possible. Déjà tout. Mais qu'est-ce que... Mais non, tout peut pas. Tout peut pas. Il va un moment, je peux pas me... Le chien. Oh, Koukalaï, le chien. Le cochonnel. Putain, bande de cons, pourquoi ils manquent de respect ces connards là? Ils sont pris pour qui? Allez-y. Elle expédie les SMS. Monsieur, c'est à l'intérieur, monsieur. C'est dedans ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas du tout, on va voir. Je pense que les Vagos... Ah, y'en a d'autres, d'accord, je m'en occupe. Vas-y. Monsieur le médecin, faisait la personne, hein, monsieur. Oui, je suis en train, vous inquiétez pas. Pour lui poser des questions, comme dans NC. Avant de poser les questions. Fab ? Où est Fab ? Il est derrière. Fab ? Attends, faut que j'aille voir Fab. Fab ! Excusez-moi, j'arrive, monsieur. Asseyez-vous à côté de lui. Fab, ça va ? Il sait pas comment il va retourner le truc parce que
Balami, Balami, Jeff, tout un peu énervé. Ah, je suis pas énervé. Si, ton colère. Non, je suis pas énervé. Si, quand t'es énervé, tu colères. M'appelle pas du gland. Bah, je sais pas quoi vous dire, c'est la seule chose que je sais, il était très agressif et... Comme j'ai refusé de coopérer parce que je suis Donatien de Montazac et qu'on ne marche pas dessus comme ça, bah, ils nous ont plantés et mon collègue s'est fait planter aussi. Ça fait du bien. On va faire de la prison. Tous les deux ? Mais il n'y a rien fait ! Mais non ! Mais il n'y a rien fait ! Il n'y a pas... Il n'y a pas fait, non ! Mais grave que non ! Mais il n'y a rien fait, moi ! Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a rien fait ! Il était là ! Il est fait, il était là ! Il est fait ! Il est fait ! Voilà ! Et le patron vous attend à la cousine. Pour le camion, on va falloir acheter un nouveau. Hein. Mon camion et le sanglier. Comment il va, le toutou? Le sanglier. Comment il va, le toutou? Comment il va, le toutou? Sangliers. Fab. Ils vont pas très bien. Les sangliers. Le camion, les sangliers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fils de pute? J'y crois pas. On avait plein de bouteilles à l'intérieur. On en parle que les keufs étaient déjà là. Si, je pense qu'il les a appelés, hein. Je pense qu'il les a appelés, ouais. Si. Mais il va pas la prison fédérale. Attends, je vais peut-être le rappeler. Et lui... Non. Si, attends, écoute-moi. J'ai le numéro du gars. On lui donne rendez-vous et en fait, les flics attendent avec nous. Je lui dis que d'accord, on est parti sur de mauvaises bases. On va discuter, on se retrouve à tel endroit et je préviens l'inspecteur Boyd. Chaud. J'appelle l'inspecteur Boyd. Oui, dites-moi. Capitaine Bill Boyd ? Oui, c'est moi. C'est Donatien de Montazac à l'appareil. Mm-hmm. Vous venez de quitter notre maison. À l'instant, je viens de recevoir un message de la part d'une des deux personnes qui m'a dit qu'on était parti de mauvaise base sur une mauvaise base et qu'il voulait qu'on se rencontre pour discuter. Est-ce que je lui donnerai pas rendez-vous et vous venez à l'endroit en question et là, vous pouvez leur tendre le piège ? Oui, allez, on va faire ça. Ok, je peux tenter le coup. Allez, comme ça, soyez hop. Soyez discret surtout. Ouais, pas de soucis. Ok, donc le capitaine est chaud. Je vais essayer d'appeler la personne en question. 3997. Joue quand même, essaye de jouer au maximum la personne un peu... qui a peur, mais qui se dit que c'est la seule solution. Tu vois bien sûr. Voilà. Allô ? Si. Ah ouais, oui. Monsieur de... Oui, c'est Donatien de Montazac. Si, oui. Il faut plus jamais que vous fassiez une chose pareille. Non, mais alors, il y a mes couilles aussi. Le chef, il est saoul, il est retour. Il fait de la merde aussi. Il vous appelle, il est mal commencé. Il voulait, le chef, vous proposer beaucoup d'argent pour utiliser les camions, les camionnettes. Oui, je comprends. Si, pour transporter. Mais écoutez, monsieur, si. Écoutez-moi bien. On est prêt à vous aider avec les camions si vous promettez de plus jamais faire ça. C'est. Si. Le patron, il va arrêter de vous tuer. Mais il faut juste pas l'appeler Douglas. Bien sûr, mais je m'en excuserai personnellement. Est-ce que vous voulez qu'on en discute quelque part ? Si, on peut en discuter, monsieur de Montbazac, c'est possible. Oui, où ça ? Votre numéro, 3944 ? C'est ça, exactement. D'accord. Par contre, je vous préviens, c'est pas un traquenard ? Pas du tout, non, vraiment, on n'est pas en état de ça. Si c'est un traquenard de la police, des capitaines ? Mais jamais de la vie on ferait ça. Après, il fait l'amour à tous les camions ! Bien sûr. Les Castello. Bien sûr. Non mais, monsieur, il faut bien vous dire que... Oui. On a vu votre démonstration de force tout à l'heure, et avec mon collègue, on est absolument terrifiés. On sait même pas si on va pouvoir reprendre le travail prochainement. Oui, on voit une position, et on discute, monsieur Montbazac. Donc dites-moi où est-ce que vous voulez qu'on se retrouve. Et on envoie la position. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, il m'envoie sa position, cette grosse merde. Et il a envoyé un message. T'es ? Bon, où est-ce qu'on le... Donc, on prend le Uzi ? Ou on prend pas le Uzi ? Si, on prend le Uzi. Ouais, on prend le Uzi. Si. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils savent où est-ce qu'on est. Ils savent où est-ce qu'on est, et... Il me dit, pour info, votre premier paiement est de 300 000 $. C'est de la merde, gros. De la merde, de la merde. Il dit, et ce n'est que le premier. De la merde, gros. Non, mais faut qu'on se venge absolument. Allez, vous voyez, envoyer une position. Est-ce que tout le monde il demande du renfort, Ariam? Non. On règle nos problèmes, ils font pas partie des vagos. Il me dit, cette proposition est très alléchante, et nous n'avons pas envie de nous asseoir sur 300 000 $, où pouvons-nous en discuter? Il faut que tu me trouves un endroit où on peut fuir.
Fouir. Si, fouir. De type fouination. Ok, faisons ça. Attends, il m'a répondu. Tu fouches mon gueule, me répond-il. Je crois qu'il sait. Tu fouches mon gueule, quoi? Il dit qu'on se fout de sa gueule. Bon, oh, bah tu leur dis, bon, bah désolé, bon, bah non, du coup. Enfin, ils sont cons, quoi. Bah non, mais ils vont revenir nous péter la gueule. Je dis juste non. C'est ça, Fabien, c'est ça ton plan. Non, je sais pas, gros, je suis un peu chamboulé, j'ai pas... Mais moi aussi, mais faut que... On n'a pas le temps de prendre le temps, en fait. C'est maintenant que ça se passe, en fait. Donc wake up, wake up. J'ai envoyé en position. Vagos, vagos, vagos. Et pourquoi il écrit ça? Je sais pas. Tu connais les sorties? Donc, s'il y a une police, tu une sortie pour là, périphérique, gauche, route, centrale, ici... En dessous, si t'as loupé. Non. Je lui dis ok, très bien, nous venons maintenant. J'ai changé la destination, on va les rejoindre. T'es sérieux? Mais oui, mais enfin... Oh, ok. Mais sans armes, sans rien. Tu te rappelles? Si c'est pour un draknal, il faut... Toi, tu dis pas. Tout est. Si? Je montais. Moi, je parle, toi, tout. Voilà. Il décide. À partir d'aujourd'hui, on va devenir associé. D'accord? Et je vais m'occuper de la stratégie de communication de Vagos. Si? Bon, on t'a raconté ce qu'ils avaient passé dans le Chevignon? Non, elles m'ont dit, je sais pas, des Vagos chez Vigneron, mais elles m'ont dit non. Les Vagos, les Vignerons sont arrivés au Vigneron et ils ont poignardé les deux patrons, les deux pauvres cons, et ils ont fait exploser le camion. Ils sont la police, là. Ça pue. Et te le dis, ça pue. Il se passe le sang. Tu es au téléphone? Et c'est bon, j'ai communiqué la position au capitaine Bill Boyd. Je vais déposer l'argent et on y va, ok? Et là, ils ont rendez-vous avec eux. Encore? Ouais, ils ont rendez-vous et on va y aller direct. Et on va les enfermer. Ok. Mais crois-moi que quand ils vont comprendre que c'était un guet-apens, il va falloir courir, mon petit Fab. Hein. Allez, vous me suivez. Bien. C'est Casablanca. C'est ici. Et les flics sont où? Ils arrivent après. Attends. Arrête de... Attends. Oui. Juste. Nadir, ils arrivent après. On arrive d'abord, on discute avec eux, et là les flics arrivent. Et ensuite on se barre. J'ai entendu un bruit. Mais oui, c'est normal, ils sont là. Là-bas. Ils sont là, il est là-bas, je le vois. Mais ça a pas l'air de pouvoir en fait. Attends. Messieurs, bonjour. Toutes mes excuses pour la dernière fois, hein, bien sûr. C'est pas un souci, monsieur de Montbasillac. Il a fait les présentations. Et Zeleny, le chef de Vagos, une gang de Os Santos, qui est un peu énervé. Et vous, c'est monsieur de Montbazillac? De Montazac. Montazac. Vous pouvez m'appeler de Montbazillac si ça vous plaît. Si, ça fout un nom qui en jette. Voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est mon collègue, monsieur Fabien Torres. Enchanté, monsieur Torres. Nous. Je m'appeler Fab. Fab, d'accord. Moi, c'est Miguel. Il est sous le numéro 2 de Vagos. Et on fait le business de un peu tout. Très bien. Cocaïne, méthamphétamine, armement. Ils sont. Ils sont là, bon, on y va, monsieur, top inter, non? On va, pour commencer dans les bonnes bases de travail, on va... Scoot, ça m'est. Oui, je vous écoute. C'est la police, là-haut? Les teubés, allez là-bas? C'est un piège? C'est un piège? On a prévenu. C'est un piège? Où ça, la police? Il y a des brilleurs. Ok, top inter. Vous allez venir avec le porteur derrière, d'accord? C'est parti, capitaine. Ouais. On vous suit, capitaine. Ouais, top inter, les amis. Capitaine, avec le cas des brioches, je vais en passer par derrière, peut-être.
Où ça là-haut. Il est où? Il est où là-haut? Là-haut, il était garé. Ah non, je vous promets que nous n'avons prévenu personne, monsieur. Attention, monsieur le Montbazillac. Ah mais vous inquiétez pas. Ça peut très mal se passer. Je sais... Monsieur, je ne suis pas suffisamment bête pour vous tendre un guet-apens alors que vous savez très bien où nous habitons. Attendez, vous les avez vu, les flics, je comprends. On voit tout le police qui a fait demi-tour. Il est où? Il est où? Il est les yeux perçants. Il est où là? Ah bah, vous ne voyez même pas des voitures de flics. C'est pour ça qu'il regarde là. C'est pour ça que moi je suis là et vous êtes de l'autre côté. Comme ça, il voit. C'est bien tout le monde? Ouais, moi je suis derrière vous, hein. Avec un débrayage, on passe par derrière, on passe dans l'air, d'accord? C'est comme vous voulez. Monsieur. De la police! Touche pas, tout là! Tu lèves les mains! Joue l'otage! Sous merde, c'est une piège! Lève les mains! Tu restes devant moi! On a aucune idée de ce qui peut se passer! Bouge! Sous merde! Réfé, sous merde! Sous merde! C'est vraiment. C'est une journée de merde! On est en otage! Viens nous scouter! On avance! Restez devant nous! Avancez! On va aller vers le capitaine parce que il m'entend pas, c'est une merde! Approchez-vous, nous allons pas tirer! Arrêtez-vous! Stop! Voilà, c'est bien là! Vous m'entendez, capitaine? Capitaine? Vous m'entendez? Oui, c'est bon! Oui! On veut! Ou nous le coupe terre. Ok. Un hélicoptère. Un hélicoptère, ouais. Si. Moi, il y a une question, capitaine. Oui. C'est un piège? Non, c'est pas un piège. Comment vous étiez là? Y est vous, votre unité là-haut? Oui. Si. C'est un piège. C'était un piège. Non, c'est un piège. C'est pas un piège. On vous a suivi. C'est pas un piège, messieurs. On n'a rien fait du tout, je suis... Tout autant sous le choc de vous, de voir des flics, de voir vous, j'ai compris rien, non, moi. Rien je, à voir, on vous a je fais du vin, moi. Je fais du vin. Nous, on est juste simple vignerons, monsieur. Moi, je suis en train de faire vraiment. Du vin, gros. À la base, vraiment, du vin, on a rien du champagne, je suis pas arrête là pour... Arrête de chialer, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas revoir tes petites bouteilles... Moi, je suis déjà allé en prison une fois aujourd'hui, hein, sous le merde. Bon, il propose. Parce qu'on a un problème, on est venu avec une voiture de place. Pour transporter les otages, c'est vraiment pas une bonne idée. On n'avait pas possible, on n'avait pas prévu de le prendre en otage, nous. On pas prévu là. Nous, on voulait faire du business. Business, mais c'est d'accord. Trop, c'est trop, mais okay. Donc, plus, hein. On va prendre votre véhicule. Bon, hein. Clignote. Hey, Captain, c'est bon, moi je veux bien échanger les otages avec moi. Oui, d'accord. Bah... Kenny, elle est même pas bien de dire yes. Ok, bah allez là-bas, je vous le dis, arrêtez de crier, je m'en occupe. Tout part, un troisième otage. Viens. Non. Si, si, non, c'est bon. Moi, ce que je peux proposer. Si, écoute. Je vois cette demoiselle qui est à ma gauche. Il a une radio. Elle a une arme. Moi, je veux ces deux autres otages. Vous partez avec la voiture et on vous suit. Yeah. Un instant. Il y a quel de vous deux il a plus d'utilité? C'est qui est propriétaire du truc? Nous sommes tous les deux propriétaires, c'est 50-50. Merde, il n'y a pas un qui a 51%? Non, c'est 50-50. Lequel est plus riche? On est sur qui parler. Donc, regardez, monsieur Montbazac, parce que l'autre, il panique. Il panique, ça va mal se passer. Bon, on libère, monsieur Fabio. Sur un portail équitable. Libérez Fabien, libérez. Mais on garde Montbazac. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Si, on fait. Ah si, il m'entend pas. Si, on fait un échange. Oui, dites-moi. Loucodette contre monsieur le Fabou. Non, il en faut deux. Non, on garde monsieur Montbazac, il est riche. Non, il est pas si riche, il a perdu 200 000 à cause de votre explosion. Si, mais on va le rembourser parce qu'on est les hommes d'honneur. Une fois que je suis sorti de prison. Ok. Si je vous la donne, vous prenez pas la radio alors. Moi, je comprends plus rien. C'est quoi les négociations là? Il comprend plus là. Il m'a retourné le cerveau. Je suis en train de casser ici, frère. Il comprend pas. On recommence. Il n'y a pas une radio dans l'histoire? Reprends-toi. Et Gino, si vous retirez votre plainte, peut-être on s'arrête là. Et on fait business, non? Mais je n'ai pas posé de plainte en fait. C'est bon, ça n'a rien à voir. Il enlève sa plainte, monsieur le Montbazac. Oui, mais. Oh, allez, c'est bon, on peut y aller. Mais je n'ai jamais porté. En fait, pour vous expliquer, nous sommes juste arrivés, ils n'ont pas porté plainte, on devait juste vous attraper et vous amender 200 000 dollars et vous mettre en prison parce qu'ils ont perdu 200 000 dollars dans l'histoire. Oui, mais c'est bon, on rembourse, c'est une erreur. Un coup de couteau de cuisine qui est mal passé. Ok. Bon bah si, valide. C'était deux coups de couteau, monsieur. Et si, vraiment, mais c'est... Nous deux, c'est on est dans un état psychologique vraiment mais, très mais difficile. C'est pour ça que il avait payé l'état okay. psychologique, alors, il avait payé, non. Pas problème. Ok, bah paye. Si. Paye 250 000 dollars. Je vais me pisser dessus.
Si, non, faut pas faire pipi dessus. Il faut le détacher. Détache-le. Il faut qu'il. Voilà. Faut pas faire pipi. Il avait payé aussi. Lève le menton. Lève le menton. Si vous payez 250 000 dollars, je vous laisse un mec qui part chercher l'argent. Comme ça, vous avez l'argent, vous lui donnez et on vous laisse partir. Il est où l'hélicoptère là-dedans? Il faut appeler le médecin. Médecin, venez. On va régler le problème de femme. Ok, allez-y. Il y a quelqu'un qui va pas très bien psychologiquement et envoyez pour le deuxième aussi. Oui, alors les gars. D'accord, très bien. Oui, maintenant en équipe. Allons. Allez-y, il y a le médecin qui arrive. Je peux m'approcher? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est une équipe quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Montbazac? Bah moi je pense que le plan du monsieur le policier est bien. Il abandonne toute charge contre vous si vous nous remboursez le dommage, les préjudices que nous avons eus, quoi. Vous allez bien? Il va vers ça. Réfé, il va chercher les sous. Moi ça me va. Et c'est vrai que 200 000 c'était le prix de base, et c'est vrai que 50 000 pour l'état de Fabien, ça peut être effectivement quelque chose de bien, parce que vous voyez bien que Fabien là il est au plus mal, quoi. Il est au fond du trou là. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez parlé des NCS? Je suis désolée, hein. J'étais tellement proche de la mort, j'ai senti la mort venir, je me suis dit que je pouvais pas être malhonnête avec elle, il fallait que je lui dise la vérité, que j'ai jamais vu NCIS. C'est pas grave, vous allez la regarder avec elle, elle va la regarder une deuxième fois. Non, je vous en supplie, j'en peux plus moi de NCIS. Je connais déjà tout par cœur, j'ai pas besoin de regarder la série. Hein. Non mais attends, on aurait pu partager ça ensemble, Kelly, t'es ma meilleure amie. Écoutez, je vais conduire alors. J'ai pas compris, vous faites quoi? Ouais, mais attendez, on va voir avec le capitaine. Oui, il faut voir avec le capitaine. Faut pas l'oublier. Ah bah non, je ne veux pas... Écoutez, je n'ai pas envie, encore une fois, de cacher des choses à la police, messieurs. Capitaine, ah, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe, attends? Il approche de vous. Oui. Pour vous dire, on va faire un truc. Ils sont nom de parole. Oui. Si? Il emmène les deux otailles. Il va à la banque. Il leur donne les sous. Ça va me foutre. Il les pose par terre. D'accord? Si. Il derrière. Je suis quelqu'un de respectable à la banque. On en parle plus. Mais c'est pas possible de... Pourquoi vous... Là, par exemple, regardez. Par exemple, là, votre oui. Big Boss a deux otages parce qu'il a le médecin. D'accord, il est compris, Là, vous. Et il va chercher. Ouais. Il va chercher les sous, patron. Cadette, enlevez votre arme, mettez-le sur le dos et suivez le monsieur. Ça, vous serez l'otage. Capitaine. Vous serez l'otage. Kelly, on va se revoir. Hein. Préfet, s'il n'est pas de. Pas là dans 10 minutes, tout est tout. Okay, c'est bon. C'est bon, on y va. Allez, prenez ma voiture. Ça va aller, Fab? Allez-y, mon petit. Allez-y avec la voiture. Je comprends rien, je sais pas ce qui se passe. Juste. Alors, pour information, nous avons la cadette qui est prise en otage pour aller chercher les 250 000 dollars et celui qui est au mieux a les trois otages avec le médecin. On entend le capitaine dans la radio. On peut voir de loin, suivre s'il vous plaît. Lieutenant, allez suivre la voiture. Logiquement, ils iront dans la banque pour aller chercher l'argent. Parce que je vous rappelle que Kelly, elle a pas vu NCIS et Kelly, c'est ma meilleure amie et du coup, ça me brise le cœur. T'as à toi la maison ou pas? Quelle maison? La maison qu'on a visitée là-bas. À nous deux, on est à 50-50. On est. C'est une égalité qui est complète entre nous deux. Je vais poser la question, vous aimez beaucoup les chevaux, non? Les sangliers surtout, monsieur. Les sangliers. Mentalement. Je suis fier de moi. Vous êtes plus proche de travailler pour nous que pour la police? C'est normal? Changer de carrière? Ah non, pas du tout, monsieur. Ma carrière, c'est faire des enquêtes comme Gibbs dans NCIS. Ah oui, j'avais oublié. Les sangliers par chez nous, c'est un peu comme nos collègues en fait. Et s'ils ont envie de monter sur le toit, qui suis-je pour leur interdire en fait? Monsieur Montbazac, c'est vous qui vous appelez? C'est un draknar, non? Comme dans NCIS? Dans NCIS, dans quel épisode vous parlez, monsieur? L'épisode où il fait le draknar, non? Vous parlez de l'épisode 7 de la saison 4, monsieur? Si, c'est ça où il fait le draknar. Ah ouais, d'accord. Et bah, ok, je comprends bien. Ouais. C'est un draknar. Non, je pense pas que ce soit un traquenard, hein, monsieur. Hein. Je pense que la vie des otages est la plus importante. Je vous questionne. Est-ce que ça vous embête si il y a pas que la banque pour le payer? Et d'ailleurs, on a vu que suite à votre passage, il y a eu quelques sangliers décédés. Et ça, Fabien, il a eu du mal à s'en remettre aussi. Hein. Ah bon? Oui. Ah oui, dans les vignobles, pendant que vous attendez, on en a découpé un pour faire du saucisson. Oui, c'est-à-dire que moi... Et de la terrine. Oui, bah, vous avez fait du saucisson de notre ami en fait. Donc, moi je trouve ça juste absolument dégueulasse. Mais, il faut comprendre aussi que monsieur était énervé aussi. Hein. C'est bon. Ok. Ok, capitaine, on a la mallette, on revient. Moi je vous conseillerais la prochaine fois que vous faites exploser un camion, tuez pas les sangliers avant quoi. Faites juste exploser le camion. Après, je ne suis pas un gangster des rues comme vous. Hein. Je ne suis que Donatien de Montazac.
Mais évitez la prochaine fois. Mais en tout cas, monsieur, vous m'avez vraiment remonté le moral. Hein. Ça se passait pas bien oui, et du coup, je suis contente. Bureau, hein. Pour le truc, les... On fait une vraie prise d'otage, hein, comme l'épisode 7 de la saison 4 de NCIS. Nous voilà, capitaine. Oh, oh, oh mon dieu, je suis vraiment désolée, monsieur. Ah, c'est pas comme Chuck Norris, ça. Hein. Ah, j'ai l'impression que votre collègue est revenu. C'est bon, vous allez bien? Allez-y, allez-y. Écoutez, capitaine, moi, je vais vachement mieux, capitaine. Ça se passe nickel. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que bruit? Miguel, Miguel, ça va? Monsieur, mon malade, il tient à m'excuser. Mais y'a pas de soucis, vous êtes. J'ai compris les erreurs de ma vie d'entrer dans un gang. Miguel, elle ferme ta gueule. Miguel. Ils m'ont laissé avec elle. C'est une arme. Miguel, ça va aller, Miguel. C'est une arme. Une arme. Elle m'a parlé en boucle. Il a pété le boulot, Miguel. D'NCIS. Je pense qu'elle lui a parlé d'NCIS. Elle m'a parlé de saison 2, épisode 4. Il est même, de ce fait-là, monsieur Mombadak, il a amené des sous en plus. Il a pris 300 000. D'accord. Parce que. C'est pas grave, il est fait de l'ailleurs, voilà, il est dans tout. C'est la première fois que les preneurs d'otages payent les otages, c'est nous jamais vous. je comprends parfaitement. C'est exceptionnel. Je comprends que vous soyez décontenancé par la situation, mais... Est-ce que vous me recevez? Oui. Est-ce que vous avez reçu l'argent, le bon compte? Monsieur oui, Charles. C'est parfait, merci. Il dit oui. Les deux vagos, on vous laisse partir, allez-y. Si, on y va, allez, on y va. Merci, Miguel, messieurs. Merci. Si. Bonne continuation. Ça pue, hein. Il y a ça à la prison quand même. Hein. Au revoir. Messieurs les otages, vous pouvez vous rapprocher vers nous. Faut partir. Faut pas rester là, à m'atouer. Il y a un peu plus. Voilà. Pourquoi c'est pas la cucaracha? Il y a un peu plus. Préfet. Et quoi, c'est la première fois que c'est une preneur d'otages qui paye les otages. Qu'est-ce que... Non! C'est un tour! Un tour! Et une vraie question. Pourquoi c'est nous qu'on a payé les otages? Normalement, c'est le capitaine. Il ouais, m'a libre. Tellement fait ouais, de mal. On est pas en prison. Il a donné 50 000 de plus. Oui, mais on n'est pas en prison. On est en direct. Je fais une interview, Fab. Oui, pas encore. D'accord. Oh, une caméra, bon. Attendez, vous... Fab, c'est une interview. Vous êtes devant la caméra. Toi, avais dit, tu voulais qu'on blague une fourgonne aujourd'hui. Parce que la fourgonne, ça va être compliqué. Nous étions donc en direct de la Fuerte Blanca après cette prise d'otage qui s'est terminée non pas par la défaite des criminels, mais bien la victoire du LSPD et la libération des otages. À vous, les studios. Oh! Monsieur! Ouais, bonjour. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, je suis censée sortir aujourd'hui. Allô? Allô? Ok. Excusez-moi. Ils sont tous matrixés dans cette baraque. Je sais absolument pas comment sortir. Ta gueule, Ted, putain. Ta gueule! Non mais je sais très bien ce qu'il faut que je fasse. Je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, ta gueule! Y'a absolument personne. Y'a l'espèce de gros con qui parle dans ma tête. Je vais péter les plombs. Je sors de la psychiatrie. Je devais avoir un papier pour sortir. Il y a personne. Il y a personne. Je peux pas sortir sans papier. Mais vous vous souvenez pas de moi. Personne se souvient de moi. Enfin, je suis là depuis tellement longtemps et. Ah bon, je suis nouvelle, madame. C'est pour ça. Vous inquiétez pas, madame. Oh, d'accord. Je suis sûre que tout le monde se souvient de vous, madame. D'accord. Normalement, ma sœur devait venir me chercher, mais il y a personne en fait. Il y a personne. Et oh, j'arrive, ça, madame. Mais ça, c'est parce qu'il y a la fête, je pense, madame. La fête? Mais oui, il y a une fête ce soir, madame.
C'est pas vrai. Oh, bah, oh la petite pépée là. Eh hey, bonjour madame, bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Salut toi. Si, il y a une soirée. Ouais, désolé, excuse, attendez, un instant dessus. Oh là, t'es excité toi? Ouais. La fête est en train de commencer sans moi. Il y a un mec qui est chelou là. Il y a un mec qui est chelou, un peu de respect quand même pour les anciens. Vous allez où comme ça? Mais quel enfer. Je vais à la boutique de déguisement là. Je vais à une soirée après. Ah, vous avez vu, c'est joli. Regardez ce que j'ai. C'est beau, hein? Non? Dis donc. Vous êtes pas très loquace, ça. Oula, bah vous me bousculez en plus. C'est pas très sympa, ça. C'est quoi votre petit nom? Moi, je vais pas rigoler avec toi, en fait. Ah bon? Bah, je sais pas. Tu crois que nous, on va rigoler avec toi? T'es agacé. Pourquoi t'es stressé comme ça? Mais on est en famille. On est les frères Pichon. On s'est présenté, maintenant tu peux te présenter. Comment tu t'appelles? On traite du respect à papy, hein. Oh putain, il a un gueule, Mais pourquoi il s'énerve? Non, papy, faut montrer un peu plus. Oh là là! Oh là là, il est stressant! Oh là là! Monsieur, pourquoi vous sortez une arme comme ça? On se calme, monsieur! C'est mon frère, et c'est vous qui sortez une arme maintenant? Ah, mais vous l'avez acheté au magasin de farce et attrape! Il est joli! Il est doré! Tu vas appeler les flics? Oh mon petit gars, ça suffit mon petit gars, je vais te mettre des patates moi, j'en ai rien à foutre hein. Oh on est plusieurs hein. Ça suffit hein, dis donc hein. On arrive. Faut qu'on arrive en... On est vraiment les rois hein. On est les kings hein, c'est on nous est hein. Clairement les rois, par contre la soirée va être monstrueuse, regarde ça clignote de partout. Oh là 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 là. Wow. On s'est fait flasher, bon c'est 10 balles pour l'entreprise, rien à foutre. Je me mets là. Mets bien le logo, hein. Salut à tous. Salut les petits. Bah merci bien. Déguisement, messieurs. Tu veux qu'on prenne quelques bouteilles avant de rentrer? Ouais, j'en prends quelques-unes avec moi, ouais. Vas-y. Je suis Naruto. J'ai mon masque pour le déguisement. C'est pas Naruto, papy. Mets-toi à la page. Oh là là. Mais oh là là, oui, c'est vrai que c'est une soirée déguisée, bien sûr. Ouais. Bonne soirée. Il faut que j'aille retrouver mon frère, attendez. Donnez-moi une seconde. Je suis déguisé enseignant. Bonne soirée. Ça marche, bonne soirée. Mm-hmm. Et du coup, monsieur, vous êtes venu déguisé, monsieur. J'avais raison l'autre fois quand je vous ai dit que vous étiez déguisé, monsieur. Non, j'ai décidé de ne pas venir déguisé en tant que sponsor de la soirée. Ce n'est pas nécessaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Bonsoir. Oui, bonsoir. Des tacos. À qui ai-je affaire? C'est Naruto. Ah bon? C'est Naruto. Je suis déguisé. Et moi, je suis Donatien de Montazac, enchanté. Y'a un type qui monte dans la voiture du commissariat là. Vous le tasez, vous le mettez en cellule. Vous le tasez, vous le mettez en cellule. Mais non, mais je suis en course poursuite là. Oh, y'a une voiture. Mais où ça y'a une voiture qui est volée? Attendez, je suis au commissariat moi. Je suis en course poursuite, on s'en va du commissariat. Eh bien nous, on vous propose justement de transporter vos vins d'exception dans un convoi d'exception avec des chauffeurs d'exception. Mais la question que je me posais, mon cher Fabien, c'est qu'est-ce que ça change pour nous? Car nous sommes déjà... effectivement, on pourrait aider une petite entreprise, mais quel serait notre intérêt vraiment, en fait, par rapport à ça? Effectivement. Bah, je me dis que si vous avez plusieurs commandes dans la même journée, au lieu que ça vous fasse une longue journée, longue et dure, voyez un peu, bah là, ça vous ferait qu'une journée moyenne et demi-molle. C'est une blague les... Comment ce mec là est rentré là? Vous avez toujours le prévenu au commissariat? Putain, mais elle est derrière moi, la véhicule volée, là. Elle est derrière moi. Power Street, Lopper. Vous êtes sous-capitaine. Vous nous embarquez dans la voiture. C'est pas le tout, mais moi, j'ai sommeil. Tu vas dormir, mais qu'est-ce que tu veux? La soirée fait que commencer. Ben à ton âge, mais moi là, je fatigue un peu là. Moi, je vais me rentrer.
Bon, il faut qu'on se fasse un petit bilan tactique pendant qu'on est en train sur le chemin du retour, savoir un peu qu'est-ce qu'on a chopé comme info. Et tout ferme ta gueule, la radio aussi, hein. Hop là, au plan tout. Marcello. Oui, il est là. Salut. Ça va, Marcello? Ah, vous êtes toujours en déguisement? Oui, toujours. Tu les connais, ces vieux-là? Attends. Oh, mais vous... Mais ce serait pas ce... Ce petit coquin qu'on a croisé tout à l'heure. Ouais, je vous retiens. Mais si, allez, hein, on fait pas n'importe quoi, hein. Capitaine. Oui, oui. Capitaine, comment ça va, mon capitaine? Vous avez dit de fermer ma gueule, je parle pas. Hein. Vous parlez, là, c'est bon. Ok. Hein. Vous allez faire quoi de la voiture? On va libérer Matteo. Ah non, c'est moi, Matteo. Oui, toi, arrête de donner ton identité, c'est pas possible, c'est un niño. Et c'est normal, vous êtes pas masqué? On l'a mis en prison tout à l'heure, hier. Comment ça? Liam? C'est pas Raccoon? Si, c'est Raccoon. Et voilà. Le commandido, c'est dans les dos. Patron, et le commissaire, il me fait remarquer une chose importante. On n'est pas masqué, nous allons con nous. Si. Il appelle son grand frère, regardez-le. Grand frère, il m'a agressé. Ouais, t'es où? Parce que y a un vieux sénile qui m'a attaqué. C'est le genre de tocard qui agresse un vieux et qui se retrouve arrêté par la police. Oh là là, mais dites donc, monsieur, là. Non, ouais, c'est sa cour. Regardez-le. Vous avez vu ça? Mais t'as vu ça? Il agresse des vieux. D'accord. Et il va transmettre. D'accord. Combien? Voilà. Aujourd'hui, on a perdu 500 000. On n'a pas tout cet argent, nous. Si. Si. D'accord. Capitaine, votre vie vaut combien? Ah, pas cher en ce moment, hein, vu qu'il n'y a personne. Ah. Salut. Oh, mais dites donc, on vous avait déjà vu, vous? Eh oui, c'est moi, c'est Gauthier. C'est... Bah, t'as changé de style depuis. C'est bien, tu t'es... C'était pour la soirée, je suis venu un petit peu en mode... Oh là, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou. Ça va ou pas? Bah ouais, ça va, mais c'est... C'est une tentative d'assassinat, là. Je pense que c'est le fameux Daryl. Mais je... Non, Daryl, c'était non, son... Non, mais non, oui. Mais moi, je suis... Ou alors, c'est le petit jeune, c'est la victime, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est le kéké, là, avec son pistolet en or. Il a même pas réussi à tuer un vieillard. Je peux vous dire. Mon GG, c'est pas toi qui a le numéro de la police, là? Ça serait peut-être bien de faire si. Également. Si, c'est vrai, ça. Vous avez pas vu les news? Non. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine a été pris en otage. Quoi? Mais non, la police est fermée. Moi, mon choix, il est fait. C'est-à-dire? Je vais aider les policiers. Parce que c'est intolérable, la situation dans cette ville. Nous venons aider, car j'ai l'impression que vous êtes dans une situation critique. Nous sommes de fervents républicains, et dès qu'on attaque la loi ou dès qu'on attaque l'ordre, ben nous, on se pointe, quoi, vous voyez. C'est un peu Batman et Robin. La pièce, il pourrait nous dire le nom. Le lieu de l'otage que j'aille avec ma voiture? Bah, j'aimerais bien l'avoir. Pas question d'agressivité, pas question de réalisme. Il se prépare à faire une intervention. On va les suivre. Bah, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Tu veux que maintenant on fasse partie de la police? Je comprends plus ton histoire là. Je veux sauver le capitaine. D'accord, mais une fois qu'il est sauvé, le capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas venu aux États-Unis pour m'occuper de... Il aura une dette. Tu te penses pas. Allô? Tu penses pas avec ta tête, toi, hein? Quand on aura sauvé le capitaine, il aura une dette pour nous. Ah, tu crois qu'il va nous faire un petit coup comme ça? Ah, okay. Eh oui, tête plate! Toi, t'as été bercé trop près du mur. Qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Casse-toi de là! Sors de là! Non! Tu sors de... Sors de là tout de suite! Va chercher la voiture et rejoins-moi devant l'entrée du parking des flics, d'accord? Attendez, je vais demander où est-ce qu'ils vont, là. Je reviens. Okay. Et vous allez chercher le capitaine, là, ou pas? Oui, je vais le chercher. Ah oui? Ok, vite! Vite! Faut les suivre! Allez, appuie sur le champignon! Mais je peux pas les plus... Chauffeur! La vache! On se fait tracer complètement, là, avec cette charrette que tu nous as pris. C'est encore la voiture de ton ami John? Oh non, des Jimmy sont partis. Ah ouais? Ok, à gauche. Non, non, tout droit. Oh putain! Oh, l'accident! Attendez, on va voir. Reculez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oula, les gars, ils ont des armes. Oula, là, venez derrière la voiture. Oh là là. Il y a le capitaine lieutenant sur notre position. Ok, venez, c'est le moment. Je vois le capitaine. Venez avec moi. On va faire le tour et on va faire une distraction. Laissez-moi y aller. J'ai une idée. Mais non, quelle est ton idée? Dis-la moi avant de partir. Je vais faire une distraction. Mais qu'est-ce que c'est que ces distractions encore? T'inquiète.
Bonjour. Bonjour, jeune entrepreneur. Tu veux gagner beaucoup d'argent? Je suis de la police. On fait une intervention de police. On a besoin d'un chauffeur. Ah oui, pour conduire quelle voiture? C'est la voiture lourde qui est là. Tu prends, il y a clé dessous. Et tu prépares, s'il y a un problème, il monte dedans avec toi. D'accord? D'accord. Eh bien, il n'y a pas de problème. Tu deviens un officier de police. Si? Oui, il n'y a pas de problème, mon petit. Mets-toi dans la voiture, prépare-toi à partir. Ça marche. Non, casse-toi. Bon, Michael Jackson, casse-toi. Casse-toi. J'ai un coup à 450 000 dollars qui est en train de se faire sur le côté pour qu'ils sont en train de braquer. Écoute, non, mais t'es en train de me ruiner mon coup, là. Le malfrat vient de me donner cette voiture en me disant « Je m'en fie avec toi si ça tourne mal. Comme ça, je vais le livrer aux flics et ça va les aider. » Et tu crois qu'il va faire quoi une fois que t'auras terminé ta petite course avec eux? Tu crois que la fin du voyage... Mais je vais me garer au commissariat, il va rien faire du tout. Écoute-moi bien, je n'ai qu'un seul frère, d'accord? T'as pas intérêt de faire de la connerie, hein? À un moment donné, C'est ton aîné qui te parle. J'ai la situation sous contrôle. Maintenant, tu te tires de là, tu fais comme dans l'infanterie et tu te barres ailleurs. Si j'ai pas envie de partir, tu vas faire quoi, là? Mais... Absolument rien. Donc, écoute, il faut sauver le capitaine. J'ai jamais rien fait de ma vie, d'accord? Je t'ai jamais emmerdé. Je t'aide dans ton entreprise, je te fais des faveurs, tout ça, machin. Maintenant, tu me fous la paix et tu me laisses gérer. Eh ben, tu sais quoi, mon grand, je t'écoute, regarde-moi bien une dernière fois. Ouais. Tu crèves, d'accord? Tu crèves, tu seras tout seul, d'accord, dans ta chienne de vie. Et moi, au moins, je t'aurais aidé, tu vois. Je voulais que tu viennes et que je te sauve. Mais comme t'as pas l'air d'avoir envie, eh ben, bon courage dans ton entreprise. Ouais, ben c'est ça, on lui dira. Ils se sont barrés. Ils m'ont foiré mon coup. Ils se sont tous barrés. Attendez, mais c'est le capitaine? Capitaine ? Oh capitaine, vous êtes en vie ? Ah la merde, je me suis fait kidnapper, Police Academy. Mais j'ai voulu vous aider. Merci, vous étiez les seuls à essayer de m'aider. Allez, il faut laisser le capitaine maintenant. On aimerait rejoindre les forces. Mais laissez-moi parler à mon ami. Vous êtes trompé du capitaine, monsieur. Mais... Bon, capitaine, on s'appelle plus tard, d'accord? Allez, hop, on circule là. Allez, pépé, là. Allez, on circule. Toi, tu vas te la fermer, là. Je peux m'énerver, hein. Maintenant, tu nous respectes. Ah, ça y est, on a un uniforme, on fait les... Hein. Bah oui, évidemment. Allez, papy. Tu sais que j'aurais pu faire coffrer un de ces malfrats. Mais qu'est-ce que t'aurais... Tu te serais fait tuer, papy. Mais bien sûr que non. Je vous explique le plan. Il m'a vu, il m'a fait « Est-ce que tu veux gagner de l'argent ?» Je lui ai dit « Oh oui, pourquoi pas ?» Et il m'a dit, écoute, si ça craint, je monte avec toi et tu nous fais partir vite. Moi, je lui ai dit, d'accord. Et là, du coup, imagine, il rentre dans ma voiture en mode, tu vois, je fais l'échappatoire. Sauf que je vais pas à leur planque. Je vais au commissariat. Faut-il vraiment que je t'aime pour vraiment te supporter jusqu'au bout? Ça m'a fait de la peine, ce que tu m'as dit. Ah ouais? Ah oui. Et tu crois qu'avoir la possibilité de perdre un frère, tu crois qu'on en a tous les jours, c'est ça que t'entends? Est-ce que tu m'as perdu? Dis-toi que ça s'est joué de peu. Hein. Mais pas du tout, j'avais la situation sous contrôle. Là où c'était dangereux, c'est quand l'autre fou furieux a failli me renverser. Et là, toi, t'étais pas là pour m'aider. Hein. J'étais en train de courir après, tu rigoles ou quoi? T'as cru que j'avais des jambes bioniques? T'es jeune, tu cours vite. À un moment donné, je m'essouffle, j'ai quand même 56 ans, mon Dieu. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, mais me ramène pas au niveau des deux stagiaires là. Oh, attends, suis-les, il y a peut-être un coup à jouer encore. Ouais. En toute discrétion, suis-moi la voiture de stagiaire là. Mais attends, c'est Thomas le stagiaire, Elite? Mais c'est Thomas et Julien, c'est ça? Et maintenant, ils nous baltringuent, tu vois. Non, mais ça y est, ils ont une uniforme, ils se sentent plus pissés ceux-là. Ralenti. Je crois qu'ils nous ont repérés, les gars. Je recule, je crois qu'ils nous ont repérés. Vas-y, doucement, papy. Ok, je crois qu'ils nous suivent. Ils nous suivent. Ils nous ont vus. Ok, je pars. Je m'en vais. Putain, passe le volable. Oh là, quoi que... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes fous, mais ça va pas. Mais vous êtes complètement éteints. On se baladait et vous nous rentrez dedans comme ça, on vous a rien fait.
ça va pas, hein, vraiment, hein. Bon, je m'en vais de là, hein. Allez, salut. Mais... J'ai rien fait du tout, moi. Laissez-moi. Laissez-moi. Ça... Il faut... Attention, Bernard, cours. Cours, Bernard, cours. Vous me rattrapez pas. Vous mourrez jamais. Vous mourrez jamais vivant. Vous mourrez jamais. Non, arrêtez. Arrêtez. Non, vous mourrez jamais. Vous mourrez jamais. Vous mourrez jamais. Attention, vous me poussez, je saute. Si vous me posez les mauvaises questions, je saute. D'accord, attendez. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà. Mais qu'est-ce que... Ah. Mais ça suffit. Je vais sauter, hein, je vous préviens. Hein. Je vais sauter, attention. Hein. Non. Mais arrêtez, mais... Non, mais... Ouais. Je peux vous mettre une amende en soi. Mais comment ça? Ah, parce que c'est à moi l'amende. Bah non, mais disons que comme j'ai pas pu attraper votre frère... Mais je suis pas responsable de ses actions, moi. Je vais le faire sauter, ce PV. Et je vais faire sauter votre stage. Parce que là, c'est de l'abus de pouvoir. Son frère, agression... Écoutez, je saute. Stagiaire. Je vais sauter. Vous aurez mort sur la conscience, hein. Ah non, je veux pas de votre PV, hein. Je suis pas venu ici pour prendre des PV. Je saute, hein. Après, je saute. Moi, j'ai vécu une belle vie, hein. Votre frère et je vous raccompagne en voiture, hein. Y a pas de problème. Vous me mettez le PV ou pas? Je peux l'annuler. Si je vous dis où est mon frère, vous me mettez le PV? Non, j'annule. Ok. Bon, je vais vous dire où il est alors. Oula. Oh bah, t'es chié toi. Ouais, allez, on est parti. Belle prise d'initiative, gamin. On va peut-être changer de voiture par contre, hein. Ouais, peut-être. Et puis d'identité, et de visage. Moi je pense que là, c'est le moment de me faire oublier. Excusez-moi, derrière, je veux repartir, je suis mort, frérot. Excusez-moi. Écoute-moi, je sais que vous êtes un nombreux à venir ici, vous... Tu as vu le point que je viens de mettre dans le vide? Imagine juste un moment s'il touche tes lunettes. Imagine juste ça. Hein? Écoute-moi. Je sais que vous faites passer le mot, les craquettes, ok? Ici, c'est pas l'auberge espagnole, ok? Ici, c'est un domaine viticole. Hein? Montazac et Torres, des crues d'exception. Qui l'eût cru, gros? Castello d'Antero. Ils ont oublié de changer devant la... Montazac et Torres. Ils ont oublié de tout changer. Je suis désolé de vous contacter pour... un sujet qui peut vous sembler un peu léger. Mais qui ne l'est pas pour moi. Pour moi, ni pour Odona. Vous en saurez plus sur ce dernier bientôt. Mais en gros, la mairie a changé le nom de nos camions. Mais gros, elle a oublié le nom du domaine juste devant. La devanture n'a pas été modifiée. C'est bon. Excusez-moi, bonsoir, bonjour. Ah bah oui, bonjour, oui. Vous avez appelé. Oui, complètement, on a un énorme problème qu'il faudrait régler le plus vite possible. Si vous regardez là-haut, il y a écrit Castello d'Antero. Vous appelez comment, monsieur? Torres, Fabien Torres. D'accord. Et vous venez d'appeler le FBI pour une devanture, c'est ça? Quand les gens passent, eh ben, ils disent donc Castello d'Antero. Alors que nous, ben, c'est pas Castello d'Antero. Vous comprenez? D'accord. Vous avez un pantalon, monsieur, ou pas? Bien sûr. D'accord, vous allez le mettre et vous venez avec moi, c'est pareil? Merci. Bien sûr. Ouais, excusez-moi, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a un problème. Enfin, on a un problème. Il y a des gens qui... Y a pas de souci, monsieur, je vois que vous avez de nombreux problèmes. Vous avez des objets dangereux sur vous, ou pas? 40 bouteilles de champagne. D'accord.
Vous avez pas consommé d'alcool ou de drogue ce matin? Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Je suis quelqu'un de sobre en permanence. Ben, vous pouvez regarder votre table, s'il vous plaît, à votre droite. Bien sûr. Merci, monsieur Torres. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Et je suis la victime dans l'affaire, là. On va aller écouter ça, il n'y a pas de souci. Je suis la victime dans l'affaire, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand on persécute les victimes? Allez, je vous laisse monter. D'accord. Vous voulez pas m'expliquer, répondre pas. Je vous suis. Vous êtes vraiment con. Hein. Qui j'ai fait? Vous avez appelé le FBI. Oui, c'est le patron de leur vigneron là. Vous savez pourquoi quand même ils nous ont fait chier là? Dites-moi. Il nous a appelé pour une devanture qui est mal écrite. Une enseigne. Donc, il vous. Pardon? Vous pensez vraiment qu'on a vraiment que ça à foutre, capitaine? Non, bien sûr que non. Bah oui. Il a dû se tromper de numéro, je pense. Est-ce que... Bon, suivez-moi. Je vous suis. Désolé, mais vous allez prendre cher. Hein. Venez. C'est-à-dire? Ah, vous allez voir. Mettez-vous sur le côté ici. Vous voulez dire qu'il y a un problème pour l'entreprise? Oui. Ah, ça va coûter. Ça va coûter de l'argent. Vous savez combien ça coûte de ce que vous venez de faire? Dites-moi. 1 million. Pardon? 1 million. Oh non, c'est pas possible. Oh, je peux pas faire ça pour Donna. C'est impossible. Le million, c'est impossible de payer 1 million. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Le million pour qui? Quand? Comment? Je dois payer pour quand? Dites-moi. Eh bien, aimerait que je vous mette 1 million. Et vous savez bien que j'en ai rien à foutre du FBI. Je leur pisse à l'arrêt, ils se prennent pour n'importe qui, ils pensent être au-dessus des lois. Oui, mais c'est pour ça que je suis choqué que le FBI m'ait emporté comme ça, dans le sens où... Excusez-moi, mais je n'ai rien... C'est normal, ça. D'accord. Et vu que le FBI ne font même pas 10% de ce qu'on fait, je vais vous mettre 10% d'un million. 5 000? Je vous fais sortir, je vous mets l'amende et vous vous cassez. Hop, j'effectue le virement directement. Et normalement, laissez-moi checker... C'est bon, je me suis fait amputer de 5 000 balles, donc... Ne rappelez plus le FBI, hein. Ah bon, monsieur? Oui, salut ma petite. Ça va? Bon, ça va très bien, toi, monsieur? Pas très bien, mon frère va pas bien, et on a besoin d'une urgence, mais... Il faudrait que ce soit toi, je t'expliquerai. Faudra me donner l'adresse, hein, monsieur, sinon je peux pas venir, monsieur. Je peux t'envoyer ma localisation, mais il faut que tu viennes seul, faut être discret. Oh, c'est la petite! Oh, c'est la... Oh, c'est vous! Bien! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il est tombé de la voiture, il s'est fait mal. Mais est-ce que vous êtes au courant d'urgentistes armés qui roulent sur les gens chez vous? Vous êtes seul en ce moment, là? Oui, Donna, il se repose, il a beaucoup travaillé. En fait, on essaye d'alterner pour qu'il y ait toujours un de nous quand même présent sur l'exploitation. Parce que vu qu'il y a des crackheads toujours qui squattent, comme je vous avais dit, ça commence à être compliqué à gérer. Hein. C'est quoi des crackheads? Des crackheads, ce sont des personnes qui sont ma foi bien droguées et qui savent plus exactement où ils en sont. Et donc, ils squattent à la maison, quoi. À la maison, au domaine? Au domaine, tout à fait. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, non, mais c'est insupportable. Mais vous pouvez pas passer comme vous voulez, vous allez constater ça, c'est un truc de dingue. Oui. Technique, c'est ce que je vous l'avais dit. Ouais, tenez. Vous avez quoi dans la main? C'est un taser. C'était... Oh! On s'est fait rentrer dedans par un de vos urgentistes. Oui, et c'est pour ça que je vous ai contacté. J'avais peur que ce soit lui qui vienne et qu'il nous tue. Voilà. J'ai avec un taser. Vous voyez qu'il y a des gens qui vous saoulent. Oui. Qui veulent pas vous parler et qui restent chez vous. Oui. Vous les pointez, vous les dégagez. Et logiquement, ils partiront en courant. Oui. À 20 tas... vous êtes déjà fait taser, vous? 100 000 balles? Oui. Et ça fait quelle sensation? Je me suis jamais fait taser. Je vais gerber dans le buisson. Ouais. Bon. En tout cas, merci ma petite. Je vous dois quelque chose que je peux vous donner comme cadeau. Si vous voulez, j'ai quelque chose qui vous fera plaisir. Tenez. Dites-moi, monsieur. Tenez, c'est pour vous. Oh, monsieur, vous êtes un petit...
gentil comme ça. Ouais, je sais. Ah, bah, je comprends mieux pourquoi vous m'avez appelé. Comme ça. Bah, quand même, c'était très sympathique. Un taser, il me file un taser. Hop, si vous. Oh putain. Attention, c'est une arme dangereuse, hein. Vous êtes déjà fait taser, vous? Non, jamais. Et vous? Non, jamais, mais je serais pas curieux non plus, mais c'est une vraie question que. Barre-toi de là, là. Tu vois pas? Tu vois pas que je suis en train de. Hein? Éloigne-toi. Ah, t'as pas un petit peu envie de vomir encore, Berbel? Ouais, ben bah, ouais. Si, tenez, ma petite. Voilà, c'est du bon vin. On pourra la boire ensemble, hein, monsieur? Eh ben ouais, tout à l'heure, à l'hôpital. Je te jure, ah bah, monsieur, avec grand plaisir, hein, monsieur. Ça marche. Ouais, c'est quand vous voulez, monsieur. Avec plaisir. Ça va? Voilà ce que c'est de taser. Ah, il bave partout. Oh, le gros dégueulasse. Oh. Donc le taz, voilà, tous vos muscles, ce muscle, ça fait... Et vous tombez par terre et vous relevez après. Voilà. Ça va? Oh, c'est bon, alors, cette sensation? C'est de la mort! Tu peux me retaser, gros? Mais c'est pas le tout. Bah merci beaucoup. Et on passe à l'hôpital tout à l'heure. Ah ouais, monsieur. Enfin, vous me dites un petit assez récemment. Hein, bien sûr. Je mets une petite tenue quand même, monsieur. Bien sûr. C'est un truc de fou, gros. J'ai vu toute ma vie défiler. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Mais dis donc, toi, mon GG, là. Ouais. T'étais pas en train de coquiner. Arrête, écoute, c'est purement professionnel. Vous sortez le taser, vous les pointez, vous avez pas besoin de tirer. Vous les pointez et ils s'en vont en courant. T'es pressé d'aller à l'hôpital pour moi ou t'es plutôt pour toi, pour toi, évidemment. Ouais, ouais, quand même. Ouais. T'as failli mourir. Mais il va falloir vraiment qu'on se méfie de cet de l'ambulancier là, parce que lui. Ah oui. Il est sacrément inquiétant. Tout se passe bien? Oui, c'est bon, on a pris. On avait dans le dos, Charles. Ah oui, non, ok, d'accord, vous avez votre licence de chasse, d'accord. Oui, oui. Je chasse soit petit gibier. C'est une arme de reconstitution historique, je suis fan de la guerre de sécession. C'est comme une drogue, le machin. Ça fait une montée d'adrénaline. Ah oui, oh l'inculé, j'ai pas vécu ça depuis la première fois où j'ai fait l'amour quand j'avais, c'était quoi, 28 ans, je crois. Une bombe. 28 ans? Une la bombe. La dernière aussi? Pardon? La dernière fois aussi? C'était la... l'avant-dernière. Ok. Vous avez quel âge? 41. Ah oui, dis donc. Monsieur, radio, oui, allô, tout à l'heure on m'a parlé qu'il y en avait quelqu'un de nous qui avait renversé des gens, monsieur. C'est normal ça, monsieur? Comment ça, renverser des gens? Avec une ambulance, monsieur. Non, pas au courant, désolé. Ah, monsieur. Ok, monsieur. Je suis pas... pas spécialement attiré par ça. Ouais, mais je comprends. Donc on disait, Par les femmes? Par la sexualité de manière générale, c'est pas une truc qui me... Ah, généralisé, d'accord. Vous êtes asexué, quoi. Bien. Ouais, monsieur. Oui, vous avez vu mon frère? Ah non, j'ai pas vu, monsieur. Eh, hey, c'est à vous que je parle. Oh, mon coco. Bah, il est à l'hôpital, monsieur? Bah oui, je lui ai dit de venir vous chercher. Ah, venez avec moi, monsieur. Salut, la compagnie. Ah bah écoute, j'arrive tout de suite, monsieur. Je me suis posé une petite tenue, monsieur. Oh, vous savez, un polo rose. Oui, c'est saumon. Ah oui, c'est rose couleur bite de chien, je m'en rappelle. Ah, rose. Excusez-moi, ça m'a échappé. Ah, d'accord. Ah, monsieur, j'ai même mis les petits talons, monsieur. Ah oui, bah dites donc. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Bah, alors, j'étais avec GG, mon frère. Et puis, on a eu des petits problèmes de voiture. Oui. Et là, on a volé de l'argent. Et après... Vous avez volé de l'argent? Après, il y a une fille, Béa. Elle est venue, elle nous a aidés, alors que nous, voilà, on n'était pas très très gentils. D'accord. Ah, je vais être une belle gosse, hein, monsieur. Ah bah, dites donc, très bien, très bien, et bah, tout de suite. Ah, tout de suite, hein, monsieur. Enfin, bref. Voilà, il faut que je voie Béa maintenant. Allez, je vous laisse, je vais voir Béa.
Ça se fait pas de voler de l'argent, vous parlez pour qui là? Ah, mais, oh mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous, on vole pas de l'argent, non mais... Mais arrêtez, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous... Arrêtez... Balle pas de l'argent, dis donc. Tu crois pour qui, là? Pour le polo, le roi du crime? C'est ça? Hein? Je vais t'apprendre à voler, moi! Je vais t'apprendre à voler, oh! Bon, alors, il est où, Bernard? Voilà, je vais vous réanimer, et ça va aller très bien, vous allez voir. Maman... Maman... Ah! C'est quelqu'un m'appelle. Si, allô? Oui, allô, bonjour? Oui, bonjour. Y est où, Miguel? Bah, bonjour, Miguel. Si. Y est besoin d'un camion? Un camion? Non, on vend de la bière, monsieur, on vend pas avec des camions. Si, y est besoin de bière. Oui, vous voulez des bières avec ou sans alcool? Y est besoin de bière sans alcool. Pourquoi la fête est plus folle? Allez, monsieur. C'est une bonne, ça. Mais... Excusez-moi, c'est pas un fusil ou c'est dans le dos, là? Non, c'est une arme de reconstitution, en fait. Je suis historien. Mais on n'est pas dans un hôpital, ici? On est où, là? Mais bien sûr, on est dans un hôpital. On est dans un hôpital, je suis historien. Ah, ben, tiens, c'est votre ami? Vous êtes armé, vous êtes prêt à aller au combat? Non, je suis historien, c'est une arme de reconstitution. Je fais de la reconstitution amateur. Il m'en fout. Il t'en met 20, 30, il te paye 100 000. Pardon? Si, il te paye 100 000. Si, il te paye 100 000. D'accord, ben écoutez. Si, pero tu. J'en ai 30 en stock. Tu amènes deux camions. Non mais monsieur, si. je vois vous voulez en venir, vous voulez me voler le camion, monsieur. Non, il veut pas voler. On est quelqu'un d'honnête, et quand on est honnête, répétez après moi, il ne nous arrive rien, n'est-ce pas? Voilà, répétez après moi, quand on est honnête, il ne nous arrive rien. Ouais. Et dites donc, en parlant de nous arrive rien, voilà. Vous connaissez les ambulanciers ici? Oui, pourquoi? Eh ben, c'est des sacrés chauffards. On a failli se faire percuter, on s'est fait percuter, ils ont failli nous écraser. C'est des fous furieux, vos ambulanciers. Vous ferez mieux les former. Pas au courant, désolé. Pas au courant? Mais c'est quoi votre nom, vous? Docteur Cox. C'est quoi ton nom? C'est Kim. Mais, est-ce que je veux... Salut, monsieur. Ah, salut, ma petite Béa. Béa. Oui. Ah, monsieur, j'ai fait un petit effort, hein. Vous avez vu ma petite tenue, là, monsieur? Ah oui, c'est original. Oui. Il souffre à tout pour toi, Kim. Il aime beaucoup ta voix. Il croit qu'il est tombé amoureux. Non, mais non, tu n'es pas amoureux de moi, Miguel. Si, on la voix. Téléphone. Il m'en fout de ton physique. Il est ta voix, je sais pas. D'un coup, il a quelque chose en moi. Ça a réveillé. Il était pour. Pardon, on parle business. Faut pas mélanger les deux, non, mon amour. Miguel, mon amour. Miguel, t'aimes pas mon style, monsieur? J'ai mis des talons, monsieur, pour être sexy, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Superbe. Alors, merci, monsieur. J'ai fait ça pour toi. Dites donc, infirmière, votre service est terminé, que vous allez partir là? Ah bah non, monsieur, regardez, j'ai quand même l'équipement, monsieur. Oui, enfin, c'est pas une raison, ça c'est pas très stérile, ça, ce que vous portez. Hein. Moi, je peux péter un plomb, je peux tuer des hommes pour ça, je peux tuer par amour. Faut faire attention à comment vous habillez, d'accord? C'est vrai que c'est un peu. Allez, s'il vous plaît pas, monsieur. Quand on est sérieuse dans un hôpital, on ne s'habille pas comme ça, on met la tenue réglementaire, d'accord? Bon, Miguel, écoute, si. J'en parle avec ma sœur, on a quelque chose à faire, et après tu m'envoies ta position et on arrive avec le camion. Ça d'accord. Ton homme dans ta vie? Non, et j'en veux pas, mais j'ai un puma par contre. Le fusil, c'est réglementaire. Il m'a dit je pouvais garder le fusil, c'est de la reconstitution, il faut que je vous l'explique comment, vous allez m'énerver, forcément. Elle veut pas d'homme dans sa vie. Elle veut une puma. Oui. Ouais, monsieur, t'as vu comment il me parle mal, monsieur? C'est même pas mon supérieur, monsieur. Ah bon? Mais c'est qui celui-là? Ah, c'est le psychiatre, monsieur. Est-ce qu'il conduit des ambulances? Ah bah j'ai demandé par rapport aux accidents, monsieur. Il a dit qu'il avait pas d'infos, monsieur. Mais je crois que c'est lui, monsieur, hein, parce que dans la maison, il était avec moi à l'hôpital, monsieur. Parce que ça peut pas être lui. Et je crois qu'il y a que Dr Cox qui est là, monsieur. Donc c'est bizarre, monsieur. C'est un danger public, celui-là. Il est soit sourd, il soit amoureux. T'as pas vu sa tête? Il est pas grave, il a pas besoin de la tête. Oui, donc excusez-moi, j'ai été interrompu. Si vous voulez prendre mon numéro, c'est le 555-1922. Ah ben je voulais pas. Ah ben ça tombe bien, moi je voulais pas vous le donner en plus, c'était pas le vrai numéro de toute façon. Ah, il est pas très. Il est pas très quoi? Oui, monsieur. Oui. Excusez-moi, il est pas très quoi? Très aimable, monsieur. Attends, vous êtes en train de me dire que je suis pas très aimable, c'est ça? Vous voulez que je vous montre c'est quoi, mec pas très aimable? Je voulais vous voir. Vous voulez que je vous montre un mec pas très aimable?
Tu veux que... Allez, non, allez, papy. Allez, viens, papy, là, viens. Tu veux que je te la donne, papy? Vous allez frapper un vieil homme. Non seulement je vais le frapper, mais je vais lui défoncer la gueule, en plus. Bah, attends, moi aussi, hein. C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux, papy? Il est tout amoureux. Il est tout un... Hé, ça va pas de frapper un ancien comme ça, là? Non, mais... Mais je suis docteur, je ne frappe pas les gens. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu te fous de ma gueule? Je vous soigne. Ah bah attends, je te soigne un petit coup. Oh bah, est-ce que... Oh, monsieur, ça c'était un coup assez fort, monsieur. Ah bah, hé, dites donc, moi j'en place peu, mais j'en place des bons. Il est pas ce que ce soit, et on fait une banque? Si. Si. Si, si. La petite? Ah, une petite, si. Demain, c'est la Pacifique. Sinon, il fait la grosse? Non? Ah, faut déjà se faire la main sur la petite. Je vais aller m'excuser auprès du vieux monsieur aussi. Ah, je crois qu'il est parti, monsieur. Ah, il va pas courir longtemps, tiens. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi, vous avez vu un vieillard sortir par là? Vous avez vu un vieillard? Mais dis donc, tu serais pas aussi lui qui a agressé mon frère, toi? Non, c'est pas vous. Vous. Bonjour! Bonjour, mademoiselle. Attendez, je cherche juste... Donnez-moi juste une seconde. Mais... Tu vas courir, toi. Tu vas voir ce que ça va faire. Allez. J'ai entendu un coup de feu. Monsieur, normal, monsieur. Oh non, docteur Cox, tout va bien? Oh là là, mais il est complètement fini au bon, là là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la légitime défense, je me fais agresser. Vous avez tiré sur un vieux, docteur Cox? Vous l'avez arrêté? Il a pas tiré sur un vieux monsieur, il a tiré sur mon vieux monsieur. Vous l'avez arrêté, c'est bon? Mais je suis là. Mais moi je fais rien, mais... Non, mais... À l'entrée de l'hôpital. Merci. Je suis vraiment satisfait de voir que la justice fait son travail. Alors là, c'est pas la justice, là. C'est carrément la jupe. Je me suis fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait agresser par ce monsieur qui m'a tiré dessus. Cache-toi là. Monsieur, allez, on se dépêche. Mais monsieur, c'est le choc. Circulez, messieurs dames. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Bah, ce monsieur m'a agressé alors que j'étais en train de discuter calmement avec son ami. Il a sorti son arme et m'a tiré dessus juste au moment où vous êtes arrivé. Heureusement que vous êtes arrivé, d'ailleurs. Écoutez, oui, je pense que je vais déposer plainte, mais là, tout de suite, j'ai une cliente, donc est-ce que je peux faire ça plus tard? Oui, mais non, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amender, etc. Très bien, merci beaucoup. Un braquage de banque? Si! Ah, ça a l'air excitant! Ah, Yoyo, préfet, c'est bon, on a le chauffard, c'est Yoyo! Vous avez déjà un véhicule ou je prends mon van de l'agence touriste? Ton van de l'agence touriste, ça me paraît un peu court. Est-ce que c'est possible qu'il y ait beaucoup de policiers? Comment ça? Ah, mais beaucoup de policiers? Bah si, c'est un braquage de banque, c'est pas trop un deal. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre, du coup? Il passe une voiture 4 portes, rapide. Je te dis quoi? Je te dis quand j'ai le véhicule et tu me files l'adresse? Si. Ok. À tout à l'heure, Yoni. Tout à l'heure. Si, d'accord. Il appelle. Où vient le Miguel? Si, querida. Et il t'appelle, il peut t'envoyer si tu veux, directement à l'endroit, tu charges, oui. Et tu livres. Alors, je pensais qu'on allait livrer de la bière, pas charger le camion, Miguel. Si, mais tu fais un petit détour pour moi, c'est pour notre mariage. Mais y'a pas de mariage, Miguel. Non, y a rien. Non, je ramène mon puma, Miguel, sinon. Tu peux pas fonctionner en menace. Après, moi, il m'énerve, après, il court, il dit, il est tout, et après... Non, mais y'a pas de menace, Miguel. C'est juste que tu fais des avances un peu trop rapidement, Miguel. Je me sens pas à l'aise. Kim, il est plus possible. C'est un amour qui fait trop de mal à toi comme à moi. Je pense qu'il est plus possible. Il faut arrêter de me dire, Miguel, je t'aime, Miguel, reviens, mais Miguel. Mais j'ai jamais dit ça, Miguel. Si, tu arrêtes pas. Tu entends pas, Miguel. Dis, non, il était vous. Il entend ta voix. Oh, ça a pas l'air trop mal. Ok. Vite, Miguel, la position. Il pense que mon mariage est en ballon. Il est sous. En fait, t'as une raison. Il est des sous. Ah bah oui, mais fais-toi une raison. Il est vraiment des sous. Ah oui. Tiens-nous de la dose.
Il est un peu triste. Si tu veux, je t'emmène au Unicorn. Non, il pense qu'il avait trouvé la... Une vraie Madame Rodriguez. Une dame qui a de la poigne et... Maintenant, il va devoir la tuer. Et voilà les embrouilles. Ouais. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, j'arrive, je suis quasiment arrivé. Allez, vas-y, viens, Johnny, viens. Ok. On fait deux voitures, un hélicoptère. Deux pilotes. Trois, si vous... Nous allons faire la banque, qui est tout de gauche. Ah, ils sont l'autoroute, on est d'accord. Merci. Si, là, tout de gauche, dans le premier village. Si. Donc, on pose une voiture pour partir vers le nord, les deux. Ok, ouais. Et un hélicoptère au milieu des routes. Oui, bah, okay. On fait ça. Je prends l'hélico et je vais poser au milieu de la route. De la route. Deux voitures, quand attendez, c'est la banque hors de la ville, là. Tout à gauche, tout à gauche. Ok, ok. Il veut pas te parler, Yoni, il est à la destination. Ouais, je pense que j'ai. Et il est pues, quand on arrive, Raccoon, c'est toi qui fais sauter la banque. Eh, non, moi je fais la négociation. On avait dit. Oui, oui, venez négocier. Moi, si vous voulez, je me mets à l'arrière, je fais exploser la banque. Hein. Et putain, c'est incroyable, j'ai l'impression de repartir en colonie, comme quand j'étais animateur, sauf que ça sent un peu moins la merde. Oui, j'ai l'impression que j'ai repartir en banque. Yoni. Ok. Et on reste sur le coup, tout un homme très riche. Bon, et donc, je suis... T'as mis ta ceinture ? Pilote et otage, ouais, c'est bon. Si, tout est tout. Si jamais la police te demande, tu dis, c'est simple, il me balade avec ma courma, et... Bah, tu vois pas mon accent, mais tiens. Okay. Il me balade avec la courma, et le monsieur, l'ami Miguel, il m'a pris, il m'a dit, oh, tu viens, t'en fous, tu fais tout sur moi, d'accord ? On se gare où, là ? Devant la banque. Ok, et ok. Pas, et mets-toi prêt à partir de le nord, super, comme ça. Ok. Voilà, écoute. Ouais, Miguel. Si, oh, ça allait, comment ça va? Ça va et toi? Si, ça va bien. Il peut pas trop te parler, il est sous un coup fumant. Si, il te rappelle après. Eh, tu sais que moi, si tu veux que je t'aide, mon pote, hein. Si, il te propose, est-ce que tu pourrais, si... faire direction de la police? Ouais, pas dans ton... Oh putain, qui a tiré là? Oh non. Ah non, comment ça qui a tiré sur qui a fait ça? Putain, y'a une bagnole qui a pété. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Y'a fait une diversion. On se fait attaquer par des grenades, faites attention. Nous sommes encerclés. Il reste dans la voiture, Johnny, ou il rentre? Ça va péter. Non, Johnny, reste en voiture. Son boulot, c'est chauffeur. Ça va péter. Il va l'arrêter direct, non? Quand tout dit ça va péter quand? Ça va péter. C'est la voiture qui a explosé, chef. Aucune idée. Ouais, c'est bon. On se casse. Ça a pété! Braquage. On y va? Tu appelles? Ouais, j'appelle le capitaine. A toutes les unités, on encercle la banque et on prépare toutes les sorties. Oui? Oui, c'est bon, t'as ton point normalement, t'as ton répondeur. Mais putain de sac à merde, mon point de quoi? C'est vous la flicka? Ouais, putain. C'est les Vagos qui font la flicka, c'est les Vagos. Moi je suis l'otage hein, parce que je le sens mal votre histoire. Viens, fais l'otage, viens devant moi. Tiens, tu te mets devant moi, tu lèves les blas. Voilà. Ok, ça je sais faire. C'est pas bête. Et si c'est bon, on parle, non? Et ce qu'on va faire, parce que c'est moi le bandito le plus intelligent du groupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'otage, eh bien c'est lui qui conduit et qui dit pour rien. Voilà. Il est permis, mais si on a le pognon. Mais vous avez le pognon, bande de cons! Mais les mallettes, elles arrivent oui, les mallettes, ils sont en train d'ouvrir, là, y'a des perceuses et tout. Ok. Police! Il me faut un otage! Tout de suite! Tu fais quoi là? C'est moi qui fais les négociations! Mais alors fais-le, sans un otage, sinon on va se faire tout dessous! Mais je fais quoi là? Mais sans le dehors! On a un otage! C'est moi qui ai l'otage là! Viens, l'otage, viens! Pour l'otage! Au secours! Laissez-moi tranquille, je vous en supplie! On a un otage, ils sont complètement possédés! Appelle le capitaine pour une négociation! J'appelle le capitaine! Je ne veux pas mourir, je n'ai à peine rien vu! Allô? Il y avait un négociateur avec moi devant là! Ok, on arrive!
Au secours, ils sont beaucoup trop intelligents, sauvez-moi! J'ai jamais vu mon fils, je ne veux pas mourir! Envoyez quelqu'un! Les poulets! Un négociateur! Ils veulent me buter! Ils ont dit qu'ils s'en foutaient de l'argent! Ils ont dit qu'ils voulaient buter un vieux, c'est tout ce qui les intéressait! Au secours! Ok, ok. J'étais en train de prendre mon épargne retraite tranquillement et ils m'ont mis un flingue sur la tempe et un masque et un gilet. Ils m'ont dit si tu bouges, si tu fais chier, on va te faire bouffer tes couilles par le cul. C'est moi le négociateur, c'est moi qui négocie. Attendez, j'appelle le capitaine. Attendez. Une question, on est où au niveau des sacs? Oui. Là, on le prend en otage le. Non, le non, flic, on est où là. Non, on est où au niveau des sacs là, préfet. 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 Venez prendre en otage le flic là. Capitaine, il est en train d'essayer de m'appeler ton capitaine. Bon, il y a une question. Non, ok. Il y a une question qui me paraît importante. On est où au niveau des sacs? Parce que si on a les sacs, on part. Il y en a plein en position ou c'est pour déconner là? Non, non, je sais pas honnêtement. Ils sont quand même pas mal, hein. On vous a en otage. Ils ont pas le droit de faire quelque chose tant qu'on a un otage. Regardez autour, personne. Il faut une unité au nord, hein. Il sait pas parce que là il me dit que ça va fortement partir en couille. Ok. Sous merde. Au secours, aidez-moi, c'est des malades. Vas-y, crie fort. Ouais, capitaine, ils veulent me garder, hein. Y'a pas vraiment de solution, je pense qu'il va falloir faire feu, hein. Oui. Préparez-vous. Préparez-vous à taper dans le tas, préparez-vous. Oh non, mais là, ça fait quand même beaucoup. Non, non, c'est l'appel. Au secours. Bon, il reprend les négociations parce qu'à un moment donné, ça fouchait la bite. C'est l'orgo, préparez-vous à y aller. Positionnez-vous à gauche de la banque et à droite de la banque. Si dans moins d'une minute, il n'y a pas évacué à plus de 100 mètres les polices, toi tout mort, l'otage ou mort. C'est parti, écoutez, 59. On se rapproche et s'il tire, on tire. Si on tire, s'il tire pas, on s'approche. On en met de pression. Tu veux mourir, il n'y a pas de problème. L'otage, il va mourir. Écoutez, faudra expliquer. 58, 56. Tout dit, 100 mètres ou tout le monde est mort. 55. Capitaine, si vous reculez pas, ils vont m'exécuter. Ok, recule. On recule. Ils ont reculé. Écoutez, si j'y retourne pas, c'est sûr qu'ils vont faire feu. Il faut que j'y retourne. Allô? Capitaine, c'est Miguel. Vous connaissez à quel point il peut être dire la vérité. Votre homme, c'est un fou. Il va mourir. Moi, il explique. Soumettre, sinon il y a tout l'otage. Mais non, tout pas. Eh, on vous a il mis quelqu'un. 100 mètres. Vous connaissez que quand il est dit, il est fait. Il y a deux otages, il veut 100 mètres, il veut pour le voiture de police, il veut pour l'ouest. 100 mètres. Mais c'est moi le négociateur. Il est pris en main parce que. Raccoon, c'est 100 mètres. Ok, on recule encore. On recule un peu plus de mètres. 100 mètres, il veut. Reculez les voitures. 100 mètres. Ouais. 100 mètres les voitures. Non, mais ça peut pas compter, mais allez de l'autre côté de la route, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qui est où Bernard? Il répond pas. En fait c'est parce que là on est avec MT, tu vois, avec Daryl. Et puis en fait on a pris en otage, tu sais, le compte de psychiatre en fait. Ah ouais? Et là on se demande si on va pas le fumer en fait. Ah mais j'arrive tout de suite. Attendez-moi. Mais papy ça a changé là. Je crois qu'ils veulent le libérer, je comprends pas en fait. Ben alors, ça va? Ça va et vous? Eh ben très bien depuis que t'as pris ma petite mandale en pleine face. Bon, dis-moi mon GG, je viens de conclure une affaire avec cette personne. On va la laisser partir et en échange, il va nous fournir quelques petites denrées médicales. Vois-tu ce que je veux dire? Parce que maintenant, il est très gentil, Monsieur Cox. Hein, qu'il est gentil, Monsieur Cox? Non, je suis horriblement gentil. Tout simplement, l'affaire, elle est conclue. Si tu ne nous donnes pas la morphine, si tu ne nous donnes pas le matos que tu viens de nous promettre, tu feras un petit tour dans le camion. Veux-tu ce que ça veut dire? Oh, tu oui. Tu vas faire glou-glou avec les poissons, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais attendez. Attendez. Ouais, mais attendez. Avant de le libérer, qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas nous mettre dans la merde? Vous n'avez pas fait un tour, le docteur? Rien du tout. Moi, j'aimerais bien avoir la reconstitution qu'il a dans son dos, là. J'aime bien les maquettes aussi. Tu peux me le donner du coup et puis on te laisse partir. D'accord, mais alors dans ce cas-là, quand on fera le deal, vous me le rendrez. Ah non, c'est à moi. Ça lui rappellera ses années de guerre. Alors dans ce cas-là, on a peut-être un problème. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est mon mousquet. Je veux le récupérer.
Ça fait partie du deal. Est-ce que tu vois ce que j'ai dans la main droite, là, actuellement? Non, tu sais bien ce que c'est, toi. GG, qu'est-ce que tu fous avec ce matos, ça? Écarte-toi, c'est une super mauvaise idée, je te le dis. Et je te précise, c'est pas un sabre laser que j'ai acheté à la fête. Je te dis, je suis de bonne humeur, Tu me prêtes ton fusil. Je te le rendrai un de ces quatre, promis. Mais là, en attendant, tu me le prêtes. Ça marche? Il est joli, ton outil, en tout cas. Il me plaît beaucoup. Bon. Appréciez bien mon arme. Ah ouais, elle est très jolie, j'aime bien. Elle a une belle... Ça dépend, je peux t'en avoir. Elle a une belle... Elle a une belle prise en main. Apprécie-la tant que tu peux. Ah, ça s'agite là-bas. Au secours. Il faut qu'ils enlèvent les airs, ça. Je sais, mais ils négocient à ma place. On a reculé, hein. On a doublé. C'est mieux. Ok. On va recommencer le boule des bouts parce que j'ai l'impression que Raccoon fout de la merde. Oui, et bah oui. Ron Wesley fout de la merde. Mais donc, non, mais il fallait laisser. Donc à la fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une question. Oui. Toi, t'as dit quoi là? Il y a une question. T'as l'impression que Raccoon coule? Il a dit Raccoon il fout la merde, il voit Wesley aussi. Pourquoi il voit toute la police partout là, Raccoon? Raccoon, tout arrête! Tout arrête, Raccoon! Tout fait pour la merde! Ouais, on vous laisse une minute, tout au top, hein? Ça va aller, Raccoon, ça va aller. Ok. Attends, si, ça. C'est bien ça. Non! Raccoon, tu le prends, mais tu laisses pas faire! Tu te laisses pas faire! Bougez pas. Fais ton truc, je suis là. Vas-y, viens me voir, je te dis. Viens me voir. Alors, fais le négociateur, fais-les reculer. Arrête de te laisser faire. Tu es pas le Nino, tu es Raccoon. Si tu es Raccoon, tu te laisses pas faire. Donc tu reprends et tu te laisses pas faire. Préparez-vous, dès qu'ils vont partir, on les suit et on les top. On prend les voitures, par contre, ils vont essayer de nous toper. Donc, c'est la course-poursuite, on tire pas, on se barre. Et les Hers? D'ailleurs, s'ils ont enlevé. Et vous partez, vous longez les trottoirs. Une voiture à gauche, une voiture à droite. À tout le monde, s'il prêt. 1, 2, 1, go. Top à terre. Y aller là. Là, c'est bon possible. C'est possible. On a pour les pneus. On a pour les pneus. Elle est où? Route 68. Bah vous êtes passé devant. Non, je suis pas passé devant. On ne bouille pas, c'est peut-être le move de génie. On ne bouille pas. Venez autour de vous. Et tes directions. Ok. Elle est entre nous. Regardez en bas dans le sud. Là, route 68, devant moi. C'était pas le move de génie. Il faut que tu passes. Les souparettes. Tu vois le souparette quand tu vas au sud. On a un camion qui est prêt. Oh, on se fait tirer dessous. Est-ce que... Les mains en l'air! Le pont là! Bouteille, ça prend les secours! C'est bon! Ça mouille! Oui, bah oui, sans déconner! Au secours! Au bord de la plage! Ok, t'arrives! J'appelle le temps pour le stagiaire, il est à terre! Quel pilote! On fume les jantes! Il est pas ce que là, il nous faut! Ah zut, ils sont plats! On va conduire des polices. Juste à côté de la pompe à essence. Qui est à ce modération? Oh, secours! Ah, ça y est, oh là là, ils sont agressifs, là, il y a toutes les roues qui vont y passer. J'ai vu, j'ai envoyé sur le l'eau. Où ça joue? Un bateau sur une bonne solution. Il y a pas des égouts, il y a pas un truc, un bateau. Il y a toujours l'otage, il est pour le tuer. Lâchez tout. Non, il est plein fallu. J'en ai rien à foutre, vous nous avez menti une fois, deux fois, pas trois! C'est putain! Très
fait. La police, le capitaine, il a crié, vous allez tous crever. Il déçoit s'il a raccroché. Non, 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 non. Ok, c'est toujours près du tunnel dans le nord. On est dans les marais, je répète. Dans les marais. Sous le mer. En marche arrière, en marche arrière. Sous le marche arrière. On saura, on saura, on saura. On saura. On saura. Yura, yura. Et bah en l'air, plus de gestes brusques, plus de gestes brusques. Vous nous avez tué une fois, deux fois, pas trois. Voilà. S'il si dit qu'il n'y a pas tout expliqué. Sortez le vieux de la voiture. Non. Toi, l'otage, l'otage, si tu parles, il était tout. Quand il sort, il était tout, l'otage. Si tu parles, tu ouvres ta bouche, il était tout, salon. Il était tout. Tu vas fermer ta gueule, toi, putain. Ferme ta gueule, là. Il avait trouvé le tas. C'est un malade. Ferme ta gueule, je t'ai dit. Recule ou je t'en mets une autre. Sortez, monsieur, sortez. Vous êtes souvent des marins. Putain, je vais pas dessus. Faites attention, il va se réveiller. Mais pourrez nous faire des ambulances plus rapides qu'il y a à l'hôpital. Attention, attention, elle est en train de réanimer quand même. Moi, je pense qu'il y a eu un accident à cette ambulance. Oh, capitaine! Oui! Comment ça se passe? Bon, si vous donne un million. Non, non, non. Vous nous avez menti une fois. Vous nous avez menti deux fois, pas trois non plus, hein. Est-ce que tu te fous de ma gueule, là? Un otage avec un Kevlar? C'est bien qu'il y avait. Il y avait me présenter. Voiture bleue, je suis avec les deux preneurs d'otages et l'otage arrêté. Non? Il peut pas faire le coup du FBI? Allez, vous doucement, monsieur, pas risque, Bruce, monsieur. Ouais, c'est lui, c'est lui. Les gars, on avait dit qu'avec cette promis, on allait se rendre. Bravo, les champions. On s'est rendu, capitaine. Non, mais attendez. On s'est rendu. On se souvient pas. Non, on s'est rendu. Une explication. Depuis quand un otage, un Kevlar? On va sur le lien. On va sur les marais. Parce que la dernière fois, on avait tiré une balle à la tête à l'otage. On est en plein milieu du marais, tu veux pas nous rater. Ah ouais? Je veux plus, j'en veux plus de ce truc. Mais je vous reconnais, vous. Ah bah, je crois que je vous ai raté. C'est à vous qui vendu du Viagra hier. Ok. Ouais, et alors? C'est vous êtes près de la route, ça. C'est très médical, alors. Non? Vous savez, moi, j'ai pas de route. Il passe que pour le moins avant tout. Tu peux faire le neige papillon. Vous avez réussi à voir la voiture noire? Et ouais, me présenter. Ouais, regarde. Nickel, capitaine. Il a plus toute sa tête, hein. Je crois qu'il fait le gaffe, il s'est chié. Allô? Capitaine, c'est la merde. Quoi? Bah, là, je suis à l'hôpital. Je me suis fait prendre en otage par Logan qui se promène dans l'hôpital avec un bazooka, une AK-47. Je me suis retrouvé attaché avec Mysterio et Doberman. Bref. Ah non, mais c'est moderne, c'est moderne. Quoi, bazooka, mais de quoi? Bah, à l'hôpital. Et par qui? Par le Familiz, là. Oh là là. Là, on a attrapé les autres, on va les amener. Hein. Ah bah c'est bien, je suis content. La deuxième voiture noire ou pas? Ah bah vous savez quoi? C'est Oulien, ah, c'est le meilleur. Parce qu'en fait Logan il pense qu'on est de mèche avec les vagos. Ouais mais là on a attrapé tout le monde là. Attendez. Ah bah c'est tout à fait pour l'organiser. Si venez. Voyez vous moi que je suis. Capitaine, vous êtes trouvé, j'ai arrivé enfin. C'est Oulien dit. Il est pas par là, il est là-bas, il est là-bas. Regardez. Là-bas, vous les voyez pas? Il cavale dans les poules. Voyez vous. Bouilloule. Oui, je me rends. Bon. Non, je me rends bouilloule. Qu'est-ce que t'as branlé, Harry? Il s'est barré? Si, il est là-bas. Je sais c'est comment il fonctionne. Moi, si vous le trouvez. Si vous le trouvez, le chef. Il est parti, il a pris une bagnole, il est parti. Moi, il veut qu'on. Il veut qu'on. Il est aidé, hein. Il veut qu'on note ça, qu'il est aidé. C'est bon, on l'a retrouvé. Qui? Il est pas parti par là? Non, non, il était parti de l'autre côté. Oh! De l'autre côté? Oui, moi je suis trompé. Alors, c'est allez, où la voiture? Allez, on y va. Me noter. Non, mais attendez. Allez, montez un véhicule tout de suite là. On a le dernier. Ouais, j'ai vu aujourd'hui, hein, pas de médicaments. Aucun. Ah si, il y a un stagiaire qui est mort encore, comme hier, quelqu'un. Oui, bah la prochaine fois. Je vous ai dit, il faut vous améliorer, zéro mort la prochaine fois, d'accord? J'ai pas compris, il a fait la. Mais ouais, non. Et on va se retrouver en prison. Ça va, Aris? Oui, ouais, merci. C'est bon, c'est fouillé. Ah non, c'est pas fouillé, j'ai pris le cran d'arrêt. Maintenant, on le change. Allez, on y va. Mais le cran d'arrêt, on s'en fout. Putain, ah, je prends tout, rien à foutre, je prends tout maintenant. Allez, allez. Tout. La dernière fois, cran d'arrêt, je me suis pris un coup dans le cran d'arrêt dans le cul. Oui, c'est vrai, mon capitaine. Bon. Pour ce transfert en prison de détenus, il nous faudrait les plus grands agents que le SPZ comporte, c'est-à-dire le Yinche.
Oui, mais il est pas là. Ah oui, c'est vrai. On y va. Mettez-le en cellule, j'arrive. Oui, d'accord. Allez, viens, Lenny. Et bonjour. Et salut, Béa. Ça va? Comment tu vas, Jésus? Ça va super. Et tu sais quoi? Tu vas. Vraiment, tu vas. Tu vas pas en revenir. J'ai chopé le fusil du psychiatre connard. Ah, mais t'es mon héros, GG. Ah, je sais. Mais bon, bref, du coup, fais attention au psychiatre, il risque d'être un peu agacé, quoi. Non, on a retrouvé d'autres personnes. Mon capitaine, je peux pas vous abandonner comme ça, encore une fois. Oui, Yassoul. Mais pourquoi vous... Attends, mon capitaine. Je me protège. Attendez, mon capitaine, attendez. Attendez, je vais appeler. Capitaine, je vais appeler le soleil. Il s'amuse bien. Il faut que je me protège, là. Il connaît bien la loupe. Attendez, mon capitaine, j'arrive. Ah ouais, ah. Wow, les cosmonautes. C'est mon suprême. Ce matin, SpaceX. Je suis prêt. Bon, allez, on les amène. Allez, on y va. Allez, en route. Allez-y, madame, sortez. Allez-y. Oui, tu sors. T'énerves pas, et il me saoule un doux, t'as pas besoin de tirer. Je vais sortir le bus. Allez-y. Mon capitaine, pourquoi on est équipé en cosmonaute? Parce que on se fait tirer dessus, explosif tout le temps, donc il y a un moment où il faut qu'on se protège là. Vous êtes Vagos, vous êtes combien? Vous êtes 50 000 finalement? Je sais plus. Il n'est pas suivi la discussion, non. Vous gérez pas bien votre gang, hein. Il est sous-responsable de la communication. Il communique pas du tout. Prenez l'hélico et allez directement dedans. Et le petit bouchon. Mais attendez qu'on arrive avant, ok? Oui, je resterai en stand-by autour. Voilà, en stand-by, voilà. Moi, et peut-être faire un film. Sacré long métrage, hein. 3 opus au moins. Si. Imaginez-vous que ça fait 3 jours qu'on est là, j'en suis déjà en train de me tirer une balle là. Non, mon capitaine. En hélicoptère. On nous le coupe d'air. Oui, vous voyez quelque chose? Hélicoptère. Regardez devant la fédérale s'il y a une voiture ou des trucs blocage. Juste devant. Regardez. Par radio. Ok. Il y a des gens. Mon Dieu, il y a un véhicule. Ah ouais. Ok, allons-y. Si on peut faire le lieu des. On fait le lieu des imitations? Non? Chacun son tour, on imite quelqu'un et on les autres ils doivent essayer qui c'est? Oui, vas-y Miguel! Yo commence! Oui! Tu es prêt? Yo commence! Vas-y Miguel! Oh capitaine! Oh capitaine, c'est la merde là! Il faut qui? Ah! Le lieutenant ça! Hein. Si, c'est le lieutenant Cook! Oh! Ah ouais! C'était bien fait! Je l'avais pas reconnu! Ah si, c'était bien fin quand même! On a quoi? Ah vous maintenant. Je vais essayer d'imiter. Où c'est le vautour? C'est le. C'est pour moi. Tu l'as fait mal, c'est. Oui. Makelele, yotoué. Non, yetetou. Makeke. Yetetou. Je suis un raccoon. Car un rogrodi de partito de toute la Santos. Raccoon. Raccoon, lui, c'est plus comme ça, c'est plus. Ouais. Raccoon. Ah, vous faites bien. Vraiment nul. Ah, ouais, c'est vrai qu'il fait bien. Hein. Elle le fait bien. Mais attention, il y a quelqu'un qui nous attend devant la fédérale. Comment on fait? On passe par derrière. Il me rappelle que dans un épisode de NCIS, saison 3, épisode 7, il y a Gibbs, il a pas écouté. C'est vrai que tu les connais tous, les épisodes. Ah, je l'ai pas vu celui-là de NCIS. Il a passé beaucoup de temps avec elle. Oui. Savez-vous que le stagiaire maintenant il regarde NCIS à cause de. Ouais, je regarde NCIS tous les épisodes. Oh, au secours. Bon, va falloir mettre un dispositif, hein. On va pas se garer devant, mon capitaine. Mais hein. Derrière? Oui, mais on va se garer derrière, mais après, va falloir aller en courant devant la fête. Et mon capitaine, on se garde devant. Stop, au pire, non, hein. Stop, ici. Ici, parce on se garde. Le véhicule était où? Il est devant, juste là. Stop, on s'arrête. On sort, okay. Tout, on sort tous. Vous nous suivez, on court, hein? Oui, d'accord. Allez, on court. Ah là, mais faut bien marcher! On est parti pour faire 12 mètres! Yeah, mais faire 12 en prison! Tout vraiment sous le merde! Sous le merde? Ouais, sous le merde! Et go! Les boussons! Go! Il est devant, regardez, le con, il est dedans! Le con! Il est devant, regardez! Il est où? Il est devant, regardez! Là! En voiture! Non reçu! Mais reviens! Qu'est-ce que tu fais, sale con? Viens! Allez lui parler, allez, rentrez! C'est qui ça? Allez, on rentre! Ah, c'est Raccoon, il arrive, non, c'est Raccoon, il se rend! Raccoon! Il se rend, c'est Raccoon! Mais. Rentrez! Allez, rentrez! Laissez-le venir, c'est Raccoon! Tirez pas!
Mais c'est Raccoon, c'est Raccoon. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Raccoon, fait non, 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 c'est pas nous, non, c'est pas nous, c'est pas nous. Non, moi, il... moi, il va plus en. Moi, il y a un moment donné, il est plus plausible. Mais baisse ton arme, Raccoon. Raccoon, on va rien se passer. Raccoon, tu vas aller avec eux, ok? Baisse ton arme. On va pas tirer. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, non, Raccoon. Ils veulent que tu viennes avec lui. Ils veulent ça, ça. Pour pas. Raccoon. Raccoon. Non, 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 Raccoon, non, Raccoon. Il est au sol, il est au sol. Allez, les putain, mais je t'avais dit de pas y aller, putain. Mais qu'est-ce qu'il venait faire, les mais oui, mais il voulait les... Putain, mais vraiment. Tu m'écoutes pas. Putain, j'en ai marre. J'en peux plus. S'il est mort, je te mets une balle dans la tête et je me suicide aussi. Je peux le dire. Non, j'en ai rien à foutre. S'il est mort, je te mets une balle dans la tête et je me suicide derrière. Non, j'en ai marre. Tu m'as pas écouté, espèce de sac à merde. Mon cœur ne bat plus. Allez, allez, fiston. Je le dis, hein. Non, non, non. Reste avec moi, fiston. Reste avec moi, fiston. Allez, allez. Allez, reste avec mon fiston. S'il est mort, j'arrête le speedy, je m'en vais de la ville. Oh mon capitaine. Je vous le dis, je vous le dis. Allez, fiston, reste avec moi. Allez, fiston. Quatre. Allez, allez. Trois. Allez, fiston. Oh putain. Allez, allez, allez. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, allez. Courage. Comment s'appelait jeune homme? Le médecin, c'est le jeune homme. C'est Raccoon, je sais pas comment il s'appelle. Raccoon, heure du décès, asystolie le 24-04-2021, heure du décès, minuit 31. Pas de service pour moi. Super t-shirt, hey. Moi aussi j'adore les partouzes.